God bless you today. It's another privilege to be in the presence of the Lord. So we can take our first song. I believe that you have already created that atmosphere around you. Even though we are far from each other, but the Lord can still see us as a unison. Thank you.
Let's say a word of prayer. Lord, we love you. It's a privilege that you have given us, Lord, to come again in your presence, Lord. This is almost the last week we still have in 2020, Lord. You have given us that privilege of coming up to the last Friday of the year 2020, Lord. If there was things that we could do in this year that we couldn't do, Lord, we still have 3 days remaining in front of us, Lord. Lest that everyone may cross into 2021 by your grace, Lord, with a new perception of your glory, with a new perception of your word, Lord. So let that the word that will come out of your servant today, maybe a word that will help us to do a self-assessment, an evaluation of what we have done about the 2020 year. So Lord, so that 2021 may not be us just turning a page. We don't want to turn a page, Lord. Well, we still have the first page. We have so many mistakes, Lord. But we want to be able to change. We want to be able to grasp you, Lord. We want you to come in us, Lord, and leave your own word. Come and then listen into your word. Remove your servant from the way and then come speak through him, Lord. Whenever he will say something which is not your mind, Lord, take it away from his mouth, O Lord, and inspire him, Lord. And come and then listen into this word inside us, Lord, so that we are not trying our best to live your word, but it's become a nature. It's become natural that we are living your word because you are living your own word in us, Lord. Bless the service. Bless the song service. Bless offering. Bless everything from the beginning to the end, has Alpha and Omega. And bless every single person who have created that atmosphere at home to receive you, Lord. Speak to them, O Lord. Speak to me. Speak to every single person. Let glory and honor be given unto you and you alone. In the name of the Lord Jesus Christ, I have asked and prayed. Amen. So we take Beulah Land. I think you want to go to that beautiful country. I really want. That's my prayer. Sadness, but will there spoken? For time won't matter. Oh, Beulah Land anymore. Oh, Beulah Land, the land where I wanna go. I wanna go and see my Savior. Longing for you, and someday, I am looking up across the river to where my faith will end in sight. Ooh. There's just a few more days to labor.
beautiful song, Beulah Land. I think that's a prayer of every Christian, every believer. We all want to be there one day. We want to meet him that day. So this is my prayer. I believe this is your prayer. And by God's grace, he granted us that privilege by giving us the privilege of coming across his message. So we take our last song when the servant of God will be coming forward. And we can also use the link that we use usually to give our offering while we are taking our last song. Redeem now, I love to proclaim it. Redeem by the blood of the Lamb. Redeem through his infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through his infinite mercy. His child and forever.
Amen. God bless you all. Que le Seigneur bénisse tous. Redeemed by the blood of the Lamb. Racheté par le sang de l'agneau. And it's such a wonderful song. Et c'est une chanson merveilleuse. We were unworthy. Nous étions. We were lost. Nous n'étions pas dignes, nous étions perdus. But God, by His grace, mais Dieu, par sa grâce, has redeemed us. Nous a rachetés. With His precious blood. Avec son sang précieux. Amen. Amen. It's such a difficult time of the year. C'est un moment difficile de l'année. And that we are not able to meet on Christmas. Qu'on n'est pas capable de se rencontrer en Noël. If you are standing, you may be seated for a while. Si vous êtes debout, vous pouvez vous asseoir un moment. And so I thank you all for responding to the call for the service today. Je vous remercie tous d'avoir répondu à l'appel du service d'aujourd'hui. And so that tomorrow you may have time with your family. Afin que demain tu puisses avoir le temps avec ta famille. I know it's not easy. Je sais que c'est pas facile. And I'm listening to the news. Je suivais les informations. And the Premier of Manitoba, the Premier Minister de Manitoba. Le Premier ministre de Manitoba. And they were planning to send police officers just to check driveways of people if they find more cars there. Ils planifiaient envoyer des officiers pour essayer d'observer un endroit où ils verront un confinement de véhicules parqués. And you know, I say, wow, this is they're trying to keep people from having a Christmas gathering. Alors je me suis dit, alors ils empêchent les gens de ne pas avoir de rencontre à l'occasion de Noël. But we thank the Lord for His protection. Mais nous remercions le Seigneur pour sa protection. Under this pandemic, sous cette pandémie, we'll never express enough our gratitude to the protection that we have under the blood of the Lord Jesus Christ. Nous n'aurons jamais assez de mots pour exprimer la gratitude que nous avons par rapport à la protection qu'il nous accorde sous son sang. Amen. And I know the end of the year is a tough one. Et je sais que la fin de l'année est difficile. Because on the New Year Eve, parce que dans la soirée du Nouvel An, we always have a service. Nous avons généralement un service. But what I'm thinking to do, mais c'est que je pense à faire, we shall still have service. Et que nous devons toujours avoir notre service on the New Year Eve, dans la soirée du Nouvel An. And I'm going to ask, et je veux demander to Brother Joshua, à Frère Josué, to see what we can do, de voir ce qu'on peut faire. If we can hook people on from their phone directly to the system, si on peut peut-être directement joindre les gens en conférence à partir de leur téléphone, that people may listen to testimonies and thanksgiving and then we can have it somehow all of us together, afin que les gens soient capables de nous donner leur témoignage et qu'on soit capable de suivre ça ensemble. Because to do it as a Zoom, I don't know if that's going to work, but if that's the route we should go, we'll let you know. Parce que s'il faut le faire comme le Zoom, je sais pas si ça va marcher, mais si c'est ça le seul moyen, on va vous le faire savoir. Because not everybody is comfortable using Zoom. Parce que c'est pas tout le monde qui est assez confortable à utiliser Zoom. And not everybody has used Zoom. Et c'est pas tout le monde qui a eu l'opportunité d'utiliser Zoom. So pray for us that the Lord may guide us through this process. Alors priez pour que le Seigneur puisse nous guider dans cette procédure. I mean, since this pandemic confinement started in March. Alors depuis que le confinement a commencé au mois de mars, we haven't had any communion. On n'a pas eu de communion. So I'm really anxious to see the first day, the first time that we shall have service, we would have communion. Alors j'ai hâte de voir cette communion avoir place pour la première fois. We can have wine and bread and washing of the feet. Où on peut avoir le vin, le pain sans levain, le lavage des pieds. Le lavage de pieds. Amen. Amen. So keep those in prayer. Alors gardez ceci dans we vos only prières. Have few days to figure out what we can do here. Nous voulons avoir quelques jours pour que nous puissions savoir qu'est-ce qu'on peut faire ici. But we will keep you posted. Mais on va vous garder informés.
Now, if you don't mind, at this time, I'd like you to stand. Alors, si ça vous dérange pas, je vous demanderai de vous tenir debout. As we read in the Word of God. Alors que nous lisons la parole de Dieu. And today, I'm going. You know, I wanted to preach. We have seen his star, and have come to worship him. Alors aujourd'hui, je voulais prêcher sur. On a vu son étoile et on est venu l'adorer. But I preached this message so many times here in Mount Zion. Mais je prêchais ce message à plusieurs reprises ici à Mount Zion. Today I thought maybe I should preach on God's wrapped gift. Alors j'ai pensé peut-être qu'aujourd'hui je vais prêcher sur le cadeau mailloté. Le cadeau de Dieu mailloté. Le cadeau de Dieu mailloté. So we are going, but I want to look at God's leadership and somehow. Alors je voulais m'attendre de toutes les façons à la conduite de Dieu. I want to look at. Oh, j'aimerais aussi observer, parler un peu de la conduite de Dieu. So I want to raise your awareness of how God leads his people, how God does things. Alors je voulais attirer votre attention sur comment Dieu conduit son peuple, comment Dieu pense. Fait les choses. So let's go to hallelujah. Amen. I'm so happy that God sent us a prophet in this year. Je suis si heureux que le Seigneur nous envoie un prophète dans cet âge. To make us know God better than we thought he was. Pour nous permettre de connaître Dieu plus que nous le savions. So let's read in Matthew chapter 2. I read from verse 1 to verse 12. Alors nous allons lire dans Matthieu chapitre 2. If you have your Bible, take and read along with me. Si vous avez votre Bible, lisez avec moi. Matthew chapter 2, Matthieu chapitre 2, from verse 1 to 12, de verset 1 jusqu'à verset 12. Maybe this is the only opportunity that you have read your Bible during this week. Peut-être ce sera l'unique opportunité que tu as eu de lire ta Bible cette année. No, cette semaine. Cette semaine. So why don't you take your Bible now and read along? Alors pourquoi est-ce que tu vas pas la prendre et la lire ensemble avec nous? Because people are so busy, they don't read. Parce que les gens sont généralement occupés, ils n'ont pas le temps de lire. May the Lord help us. Puisse le Seigneur nous aider. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, "Where is he that is born, King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him." When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, "In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, 'And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel.' Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, 'Go and search diligently for the young child. And when ye have found him, bring him word again that I may come and worship him also.' And when they had heard the king, they departed. Lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way." Amen. Amen. Let's read again in Luke chapter 2, verse 7. Nous allons lire dans Luc, chapitre 2, verset 7. Luke chapter 2, verse 7. Luc chapitre 2, verset 7. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn.
Let us pray. On va prier. Our gracious Heavenly Father, notre gracieux Père Céleste, we thank you once again for your love and grace. Nous te remercions une fois de plus pour ton amour et ta grâce. And this good opportunity you've given us, et cette opportunité que tu nous as donnée, to come into your presence, de venir dans ta présence, on this Christmas Eve, en cette soirée de Noël. A lot of people, Almighty God, are thinking great. Il y a plusieurs personnes qui ont de bonnes pensées. They are thinking about Santa Claus. Ils pensent au Père Noël. They are thinking about passing on gifts. Ils pensent à partager de cadeaux. And there's nothing about Christ in this Christmas. Et dans tout cet Noël, il n'y a rien qui concerne Christ. Lord, but we know today the world is supposed to celebrate and commemorate the birth of Christ. Et nous savons, Seigneur, qu'aujourd'hui, le monde va célébrer, commémorer Christ. We know that this feast of Christmas has been set up by the Catholic Church. Nous savons que cette fête de Noël a été établie par l'Église catholique. Where they wanted to celebrate the Sun God. Là où ils avaient voulu célébrer le Dieu Soleil. They gave it now the feast of the Son of God. Et ils ont appelé cela la fête du Fils de Dieu. Lord, we know that Jesus was not born in December. Seigneur, nous savons que Jésus n'était pas né en décembre. He was born around April. Il était né aux environs d'avril. And we are so thankful. Et nous sommes si reconnaissants that you have given us the truth. Que tu nous as donné la vérité. But the birth, mais la naissance, it need to be reminded to the people. Doit être rappelée aux gens. That Jesus was born. Que Jésus-Christ était né. He came to this earth. Il est venu en ce monde. It was God's great gift given to humanity. C'était le plus grand don de Dieu donné à l'humanité. Father, we pray that today you may open up our eyes that we may see. Père, nous prions que tu ouvres nos yeux aujourd'hui pour que nous voyions. The eyes of our hearts. Les yeux de nos cœurs. To see what the natural eyes cannot see. Pour que nous voyions ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Because the things that you have in store for your children. Parce que les choses que tu as emmagasinées pour tes enfants. Natural eyes cannot see. Les yeux naturels ne peuvent pas voir. Natural ears cannot receive. Les oreilles naturelles ne peuvent pas le recevoir. But you reveal them by the Spirit. Mais tu révèles cela par ton esprit. We pray that the Holy Ghost may come and take over. Nous prions afin que le Saint-Esprit vienne prendre le tout. And speak to each and every one. Et parler à tout un chacun. And speak to your people. Parler à ton peuple. I am not a good preacher. Je ne suis pas un bon prédicateur. So Father, take me out of the way. Alors Père, ôte-moi du chemin. And be the preacher today. Et sois le prédicateur aujourd'hui. We commit your children in your hands. Nous abandonnons tes enfants entre tes mains. In the blessed name of Jesus, we have prayed. Dans le nom béni de Jésus, nous en prions. Amen. Amen. God bless you all. Que le Seigneur vous bénisse tous. So I also want to take this opportunity to say Merry Christmas to all of you. Je veux aussi prendre cette opportunité pour dire joyeux Noël à tout le monde. Amen. Amen. But we know what is Christmas. Mais nous savons c'est quoi Noël. We're gonna see it today. Nous allons le voir aujourd'hui. If you are still standing, maybe seated. Si vous êtes toujours debout, veuillez vous asseoir. God bless you all. Que le Seigneur vous bénisse tous. So we see here. Alors nous voyons ici. How the great things of God took place in simplicity. Comment le grand chose de Dieu, le grande chose de Dieu prend place en simplicité. So I want to draw your attention into God's simplicity first. Alors j'aimerais attirer votre attention à voir la simplicité de Dieu premièrement. I want you to give me your 100% attention. Je veux que vous me donniez votre attention à 100%. Because this is really something if you understand or if you receive the revelation of this. Parce que ça, c'est une chose qui, si tu la comprends ou que tu reçois la révélation de cela, you'll be able to enjoy God's leadership in your life. Tu seras capable de te réjouir de la conduite de Dieu dans ta vie. You'll be less of a complainer. Tu seras moins de quelqu'un qui se plaint à tout moment. But you'll be more thankful to God. Et tu seras plus quelqu'un qui lui rend grâce. God Dieu hid in simplicity. Caché dans la simplicité. But you need to be humble. Mais tu dois être humble. For you to understand and see God. Pour que tu le comprennes et que tu vois Dieu. People miss Christ. Les gens ont manqué Christ.
Because they failed to see God in simplicity. Parce que ils ont échoué d'être capables de voir Dieu dans la simplicité. In the events that were taking place. Dans les événements qui prenaient place. Alléluia. Amen. It just went over their heads. Ça les a passés par-dessus la tête. Brother Branham says in the message Hebrews chapter 7. Frère Branham dit dans le message Hébreux chapitre 7. Part 1. Première partie. And paragraph 77. Paragraphe 76. In the middle it said, and men and women who join church. Il dit, les hommes et les femmes qui s'attachent à une église, qui se joignent à une église, and come into church, et qui viennent à l'église, to be popular, pour être populaire. Alléluia. Amen. To be popular, pour être populaire. And because the Jonas belong there, parce que le John belong là-bas, appartient à cette église-là. Or they changed their church from little church to a big church. Ou parce qu'ils ont transformé leur église en petite à ils une changé grande d'église, église. D'une petite église à une grande église. Okay. You are doing it for a selfish motive. Vous le faites pour un motif égoïste. And the right principle is not behind it. Et le principe correct n'est pas derrière ceci. So what is the right principle? Alors c'est quoi le bon principe. You should be willing to stand at the battlefront. Tu as besoin de te tenir dans le champ de bataille. So people stumble at the simplicity of God. Alors les gens ils échouent à la simplicité de Dieu. Amen. Amen. It's a shop. Alors les gens s'échouent à la simplicité de Dieu. They fail to see God doing things in simplicity. Ils ne parviennent pas à voir comment Dieu fait les choses dans la simplicité. Alléluia. Amen. Well, you may think, no, if I go to a church where somebody went hunting with a prophet, I'm sure to be in the right church. Il se peut que tu te dises, si je vais dans une église où certains de ses membres sont partis faire la chasse avec le prophète, alors il se peut que je sois sûr que je suis dans la bonne église. You may say, if I'm in a church like this and like that, I believe I'll be in the right church. Il se peut que tu te dises, si je suis dans une église telle que ceci, telle que cela, il se peut que ça prouve que je suis dans la bonne église. But God has a principle. Mais Dieu a un principe. Simplicity. La simplicité. He leads his people. Il conduit son peuple. Alléluia. Amen. He leads his people. Il conduit son peuple. Today I'm trying to show you the simplicity of God. Aujourd'hui, j'essaie de vous montrer la simplicité de Dieu. That even those who say that they are spiritual, que même ceux-là qui disent qu'ils sont spirituels, if they were living in those days, s'ils vivaient en ces jours-là, they would have failed to see God in his simplicity. Ils auront manqué de voir Dieu dans sa simplicité. To see God in his simplicity, pour voir Dieu dans sa simplicité, it's a great step towards your victory. C'est un grand étape vers ta victoire. Because you will be able to understand and to interpret events and things around your life. Parce que tu seras capable de voir et d'interpréter les événements qui se passent autour de toi. Because human beings are there's a trend in human beings to look at great things. Parce qu'il y a une tendance dans l'être humain de regarder rien qu'aux grandes choses. To think big things. De penser aux grandes choses. But God takes the little things. Mais Dieu prend les plus petites choses. To confuse the big things. Pour confondre les grandes choses. God takes the little things. Dieu prend les moindres de choses. Man takes the big things. Les hommes prennent de grandes choses. But God uses the little neglected things. Mais Dieu utilise le moindre de plus négligé. Alléluia. Amen. So the simplicity of God. Donc la simplicité de Dieu. In the place where Christ was born. À l'endroit où Christ était né. In another word. En d'autres mots. The place where the revival started from. L'endroit où le réveil a commencé. Because Christ. Parce que Christ. Brought the revival into the world. Il a amené le réveil au monde. But the place where the revival came from. Mais l'endroit d'où le réveil est venu. It was called Bethlehem. C'était appelé Bethléem. A little place. Un petit endroit. So I want to go a little bit deeper into that first. Alors je vais entrer un petit peu en profondeur ici. Brother Branham says. Frère Branham dit. In a message, God's wrapped gift. Dans le message, le cadeau à mailloter de Dieu. In paragraph 19. Paragraphe 19.
thinking of Bethlehem. Pensons de Bethléem. And why did it happen to be that it was chosen to be the birth or place of the King of Kings? Et pourquoi il s'est fait que c'était cet endroit-là qui était choisi pour être le lieu de naissance du roi? And your Bethlehem is a small place. Alors que Bethléem, c'est un petit endroit. Very small town. Une toute petite ville. I've often wondered. Je me suis souvent posé la question. Why God did not choose more religious place for it? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi un endroit beaucoup plus religieux? For this great event such as Shiloh. Pour un tel événement, un si grand événement tel que. No, we would have chosen a great place for such an event, the birth of Jesus, right? Il aurait pu choisir un très bon endroit, un grand endroit pour la naissance de Christ. Such as Shiloh. Tel que Shiloh. Shiloh. Tel que Shiloh. Shiloh was the first place. Shiloh était le premier endroit. The ark was set after it crossed Jordan. Où l'arche a été établie après que ça ait traversé Jourdain. Oh, Gilgal is another place. Où Gilgal, c'est aussi un autre endroit. Another great religious city. Une petite ville très religieuse. Une grande ville religieuse. Une grande ville religieuse. Or Zion on the mountain. Ou Sion sur la montagne. Alléluia. Another great religious city. C'était une autre grande ville religieuse. Or even the proud capital of Jerusalem. Ou même la ville, la grande ville de Jérusalem. Where everybody came. Où tout le monde venait. Everybody when they came, they want to see Jerusalem. Quand tout le monde venait, ils voulaient voir Jérusalem. It was a place of attraction. C'était un endroit d'attraction. The great capital of Israel. La grande capitale d'Israël. People came to Jerusalem. Les gens sont venus à Jérusalem. During feasts. Pendant les fêtes. People leave everywhere. They came to the temple in Jerusalem. Les gens vont quitter leur ville partout pour venir se rassembler au temple à Jérusalem. But he has never chosen Jerusalem. Mais il n'a jamais choisi Jérusalem. This nice and big city. Ces grandes et jolies villes. With all its sages and saints through the ages. Avec tous ces qui tous ces sages et les saints au travers les âges. Amen. Amen. Why didn't God choose Jerusalem? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi Jérusalem? Alléluia. Amen. So people just stumble. Alors les gens, ils étaient à choper. Alléluia. Amen. So it's like God coming to Canada. Alors c'est comme Dieu vient au Canada. And he doesn't go to Toronto. Et il va pas à Toronto. Or he doesn't go to Vancouver or Montreal. Ou il va pas à Vancouver ou au Montréal. He goes to a little town somewhere. Il est parti dans une toute petite ville quelque part. A small town. Une toute petite ville. And that's where everything took place. Et c'est là que tout a commencé. But that small town. Et dans cette petite ville. Called Bethlehem. Appelée Bethlehem. It has a story. Ça a une histoire. It was the story of a whole lineage of Christ. C'était l'histoire de toute la vie de Christ. La lignée de Christ. So people have souvenirs in those places. Et les gens avaient des souvenirs à cet endroit. Hallelujah. Amen. I remember people were talking about the building of Hudson Bay at the junction of Isabel and Portage Avenue. Alors, aux rencontres de Isabel et Portage, il y a le bâtiment de Hudson pour lequel les gens parlaient. And this building is now empty. Et ce bâtiment n'est pas vide. People don't know what to do with it. Les gens ne savent pas quoi faire avec. It was in the years like in 20 and 30s. Dans des années 20 et dans des années 30. It was the greatest department store in Canada. C'était le plus grand département au Canada. Department store, like mall. C'était le plus grand mall au Canada. And Winnipeg, in those days, was I think the second largest city, the second biggest city in Canada. Et Winnipeg, je crois qu'à cet endroit, à cette époque-là, était la deuxième plus grande ville au Canada. For those who don't know history, pour ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire, Winnipeg was called the Chicago of the North. Winnipeg était appelé le Chicago du Nord. Because it was designed like Chicago. Parce que c'était conçu comme Chicago. And it was in the center of Canada. Et c'était au centre du Canada. But now this building is empty. Maintenant, ce bâtiment, il est vide.
And they think to renovate it and to call like billions of dollars. Ils essayent de l'aménager et ça va coûter des milliards de dollars. They don't know what to do. Ils ne savent plus quoi faire. But people are telling, I was listening to somebody and they were saying, you know, when I was young, mom used to take me on Christmas. Alors je parlais à quelqu'un qui a dit quand j'étais encore jeune. J'ai écouté quelqu'un qui disait. J'ai rencontré quelqu'un qui disait quand j'étais encore jeune, ma mère m'a amené ici pour Noël. So people were telling stories of how this place was for them. Alors les gens racontaient des histoires de ce que cet endroit représentait pour eux. Because they lived here. Parce qu'ils ont vécu ici. They've seen the city, they've seen all those things. Ils ont vu les villes et ils ont vu toutes ces choses. So Bethlehem. Alors Bethléem. Had people live there. Il avait des gens qui vivaient là. So their whole life was attached to that Bethlehem. Alors toute leur vie était rattachée à ces Bethléem. Alléluia. Amen. The simplicity of God. La simplicité de Dieu. You know, it's in Psalm chapter 69, verse 32. Alors il dit dans Psaume 69, verset 23. 32. The humble shall see this and be glad. The humble shall see their God at work and be glad. L'humble va voir Dieu à l'œuvre et s'en réjouir. So you can see God at work. Alors tu peux voir Dieu à l'œuvre. In little things. Dans des petites choses. And that brings you joy and excitement. Et cela t'amène la joie et de la et du plaisir. And things where people could not even see God, but yet you can see God. Alors dans des petites choses où les gens ne pouvaient pas voir Dieu et toi tu peux voir Dieu. I'm laying a principle here, brother and sister. Alors je suis en train d'établir un principe ici, frères et sœurs. And I want you to understand. Et je veux que vous le compreniez. So you might think that Christ being a refuge. Alors il se peut que vous pensez à Christ comme un lieu de refuge. Because Christ. Parce que Christ is our refuge. C'est notre refuge. And you will think because it's our refuge. Et vous penserez peut-être parce que c'est notre refuge. It should be born in one of the city of refuge. Qu'il devra naître dans une ville de refuge. But it was not born in any of the city of refuge. Mais il n'était pas né dans aucune de ces villes de refuge. Such as Kadesh. Tel que Kadesh. Yeah. Kadesh. 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 Kadesh Barnea. Kadesh. Kadesh. Amen. Amen. Or Ramoth in Gilead. Ou à Gilgat, à Galat. Ramoth en Galat. Ou Ramoth à Galat. But you know, mais vous savez, God has a way of doing things. Dieu a sa façon de faire les choses. Listen, church. Suivez l'église. Just his own way about doing things. Il n'a que sa propre façon de faire les choses. I'm so glad he does. Je suis si heureux qu'il est comme ça. You see, sometimes, vous savez, parfois, he takes things that doesn't have a spiritual background. Il prend des choses qui n'ont pas, qui n'ont pas un fondement spirituel. Amen. Or doesn't have any background at all. Ou qui n'ont aucun fondement. And that's why he is God. Raison pour laquelle il est Dieu. He can take something that's nothing. Il peut prendre de rien. And make something out of it. Et sortir quelque chose du néant. And that's what God, that's what makes him God. Et c'est ce qui fait de lui Dieu. That's what makes us love him. C'est ce qui fait de nous, c'est ce qui nous amène à l'aimer. That's what makes us poor people appreciate him. C'est ce qui fait que nous pauvres gens nous l'apprécions. Because that even though we poor with no background, yet God can do great things with us. C'est parce que quand bien même nous sommes pauvres sans un fondement, Dieu peut faire quelque chose avec nous. He never gets us under his control. Il a tout sous son contrôle. S'il peut nous avoir sous son contrôle. S'il peut nous avoir sous son contrôle. Glory to God. Dieu merci. So let's go back to the city of Bethlehem. Allons en revenir dans la ville de Jérusalem, de Bethléem. Let's take your Bible. Prenez votre Bible. And go to Genesis chapter 49. Allez dans Genèse chapitre 49. Genesis chapter 49. Genèse chapitre 49. And we shall take verse 10. Nous allons prendre le verset 10. What does it say there? It says this. The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet,
until Shiloh come, and unto him shall be the gathering of the people be. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Alléluia. Amen. So there was a promise. Alors il y avait une promesse. In the Bible. Dans la Bible. This is Jacob. Ça c'est Jacob. Israel. Israël. Talking to his children. Parlant à ses enfants. And he told them, he said. Et il leur a dit. The royal scepter. Le sceptre royal. Shall never be apart from Judah. Ne va jamais s'éloigner de Judas. In other words, en d'autres mots, he said, until the Shiloh come, il dit jusqu'à ce que le Shiloh vienne, the scepter shall not depart from Judah. Ce sceptre ne devra jamais s'éloigner de Judas. So the kings, dans le roi, kings were supposed to come from Judah. Le roi était, devait sortir de Judas. That reason, the king Saul, raison pour laquelle le roi Saul was not a man of Judah. Le roi Saül n'était pas quelqu'un qui sortait de Juda. But David was a man of Judah. Mais David, c'est quelqu'un qui venait de Juda. He was of the tribe of Judah. Il était tribu de Juda. Hallelujah. And he was the best king that Israel had. Et il était le meilleur roi que Israël a eu. So Bethlehem. Alors Bethléem was where the king was born. Était l'endroit où le roi était né. According to the prophecy of Jacob. Selon la prophétie de Jacob, Judah is where Bethlehem was supposed to come from. Judas, c'est l'endroit où Bethléem. Oh, sorry. Judah is where the king should come from. Selon la Bible, Judas, c'est l'endroit où le roi devait venir. And when God et lorsque Dieu was leading Joshua conduisait Josué to divide the land of Israel à partager les terres d'Israël. He gave to Judah. Il a donné à Judas the portion. Une portion. He gave to Judah. Il a donné à Judas. So Judah in Judah. Donc à Judas. Was Bethlehem. Il y avait Bethlehem en Judas. So Bethlehem. Donc Bethlehem. Was a little town. Était une petite ville. In the north of Judah. Dans le nord de Judas. And it was south of Jerusalem. Et qui était le sud de Jérusalem. But it was a little town in Judah. Mais c'était une petite ville dans Judas. So it's Bethlehem of Judah. Donc c'est Bethlehem de Judas. So you can see that Joshua. Donc vous pouvez voir que Josué. In dividing the country. En partageant les terres. Dividing the land. En partageant les terres. When he gave Judah his portion. Lorsqu'il a donné à Judas sa portion. Bethlehem was already part of Judah. Bethlehem était déjà faisait déjà partie de Judas. And God said from Judah. Et Dieu a dit de Judas. Shall come. Sortira. The king. Le roi. The lion of the tribe of Judah. Le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Amen. I just want to show you something here, very small. Je veux juste vous montrer quelque chose ici. Give me your attention. Prêtez-moi votre attention. Hallelujah. Amen. Now it says. Alors il dit. And this tribe of Judah. Et cette tribu de Judas. Was given this portion. À qui on avait donné cette portion. Where Bethlehem is. Dans laquelle se trouve Bethlehem. Which is in the upper northern corner of the province of Judah. Qui est dans la partie nord de la province de Judah. La province de Judah. A little strip. Un petit endroit. The strip like say, un petit lot de terre, comme ça. Un petit lot de terre. That kind of runs out like a little peninsula. Qui se tend un peu comme une péninsule. And in this place. Et à cet endroit. This province. Cette province. This great province. Cette grande province. It's the northern wheat country. C'est la partie nord de pays de the wheat country, le blé, le pays du blé. Du pays de blé. Where the wheat belt was. C'est là que le blé provenait. Hallelujah. Amen. Where they raised lots of wheat and barley. C'est là qu'on cultivait beaucoup de blé. Et d'orge. Hallelujah. Amen. 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 Now listen. Suivez alors. I'm going to draw attention. In other words, attention. En d'autres mots, it was like we see today Winnipeg. C'est comme aujourd'hui nous voyons Winnipeg. You know, I was in Winnipeg. Vous savez, j'étais à Winnipeg. And I was in the United States. J'étais aux États-Unis. And somebody asked me. Et quelqu'un m'a demandé. Oh, where are you coming from? D'où est-ce que tu viens? I said I come from Canada. J'ai dit je viens du Canada. Oh, where exactly?
Où exactement? Oh, from Winnipeg. De Winnipeg. I said, Winnipeg? Winnipeg, il demande. What is Winnipeg? C'est quoi Winnipeg? Is there anything in Winnipeg? Y a-t-il quelque chose là-bas à Winnipeg? So people know Toronto. Les gens connaissent Toronto. Vancouver. Vancouver. Calgary. Montreal. Montréal. These are the cities that people know. Ce sont des villes que les gens connaissent. But you're talking about Winnipeg. Alors vous parlez de Winnipeg? They have no idea. Ils n'en ont aucune idée. Alléluia. Amen. But Winnipeg is big for me. Mais Winnipeg c'est assez grand pour moi. But let's say we take you outside of Winnipeg. Alors, à supposer que nous te t'amenons en dehors de Winnipeg. I take you to Carmen, Manitoba. Je t'amène à Carmen, Manitoba. Alléluia. Amen. Those who've been in Carmen, Manitoba, they know what I'm talking about. Ceux-là qui ont déjà été à Carmen, Manitoba, ils savent de quoi je parle. So in Carmen, Manitoba. Alors à Carmen, Manitoba. You don't have any high-rise building. Il y a même pas un seul bâtiment qui se lève en hauteur. The only thing that you see. Tout ce que tu vois. Field, 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 field. C'est le champ, le champ, le champ, le champ. So Bethlehem. Alors Bethlehem. Was it was the wheat belt. C'était le c'était l'endroit où on puisait le blé. So that means when you go to Bethlehem, donc quand tu pars à Bethlehem, you will see fields. Tu vas voir de jardins. Des champs. Des champs, pardon. You will see fields of wheat and barley. Vous allez voir de plantations de blé. So you come to the town. Alors vous venez dans la ville. If you were an immigrant, si vous étiez un immigrant, I don't think we'll go to Bethlehem. Je pense pas que tu aurais choisi partir à Bethlehem. Do you understand what I'm talking about? Alors vous comprenez maintenant de quoi je parle. If you were an immigrant, si vous étiez un immigrant, you would have gone to Jerusalem. Vous auriez choisi de partir à Jérusalem. The place of attraction. Un lieu d'attraction. Where there are lots of people. Là où il y a plusieurs personnes. Where you have all the big corporations. Là vous avez toutes les grandes compagnies. They are all there. Ils sont tous là. Doing their business. Ils font leurs affaires. Tourism and everything was flourishing. People come from all over the place. Le tourisme et tout est florissant. Les gens viennent But de partout. Bethlehem was a little town. Mais Bethlehem était une petite ville. And the town et la ville was a place where they grew wheat and barley. Et la ville c'était un endroit où on cultivait du blé. So if you drive there, donc si tu conduis là-bas, you see just big fields of wheat and barley and all over the place and houses here and houses there. It was not a crowded place. Alors tu ne verras que de grandes plantations de blé et puis des maisons éparpillées par-ci par-là. Can we imagine how God do things? Alors tu peux imaginer comment Dieu fait les choses. Joshua divided the land. Josué a partagé les terres. He gave Judah his portion. Il a donné à Judas sa portion. And in Judah, et dans Juda, there's a town called Bethlehem. Il y a une ville appelée Bethlehem. And in a town called Bethlehem, et dans la ville appelée Bethlehem, it was where they grew the wheat and barley. C'est là qu'on a cultivé tout le blé. It was a fertile land. C'était une terre très fertile. It was where people get their bread from. C'est là où les gens trouvaient leur pain. It was the wheat basket. C'était le panier du blé. Where people could get wheat to have bread. Là où les gens pouvaient puiser du blé pour faire du pain. Alléluia. And the prophet Micah. Et le prophète Michée. Yeah, said in Micah chapter 5 verse 2. Et il a dit dans Michée chapitre 5 verset 2. He said this. Il dit. But thou, Bethlehem Ephrathah, though thou be little, let's find it. Micah, if you find it in French, you can read. Yeah, 5:2. I want you to read in French. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine monte aux temps anciens, Amen. Au jour de l'Éternel. Amen. But thou, Bethléem Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah, petite entre les milliers de Judas,
Yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from old, from everlasting. Hallelujah. Amen. Bonobam's in the message, why little Bethlehem? Frère Manam dit dans le message, pourquoi le petit Bethlehem? Oh, thou little Bethlehem. Pourquoi la petite Bethlehem? Aren't you the least among all the principal cities of Palestine? N'es-tu pas la moindre de toutes les villes de Palestine? But it pleased God, mais il a plu à Dieu, whose knowing and going forward from old, qui connaît toutes choses bien avant, from the beginning, du commencement, to have his son born there, à avoir son fils né là-bas. So God knew everything. Donc Dieu connaissait toutes choses. He knew where this son of God was going to be born. Il savait où est-ce que ce fils de Dieu va naître. And he prepared the place. Et il a préparé l'endroit. So what I'm trying to tell you is, it's not the big places that count. Alors ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est pas la grandeur de l'endroit qui compte. It's not where you find more people that counts. Ce n'est pas l'endroit où tu trouves plus de gens qui comptent. What counts is to find God in his simplicity, where he is hidden. Ce qui compte, c'est trouver Dieu dans sa simplicité, là où il est caché. You know, man is attracted by what can catch his eye. Vous savez, l'homme, il est intéressé par ce qui attire ses yeux. But God is not in what your eyes can catch. Alors que Dieu n'est pas dans ce qui attire ton œil. What your eyes can catch, ce qui attire ton œil, is the rim of deception. C'est la racine de la. C'est la sphère de la séduction. De la séduction. But God, mais Dieu, he deals in revelation. Il traite dans la révélation. In a way that you can see him where nobody else could see him. Au point où tu peux le voir là où personne d'autre ne peut le voir. You can see him where nobody else has ever seen him before. Tu peux le voir là où aucune autre personne ne l'a jamais vu auparavant. This is what God is. C'est ce que est Dieu. He hid himself in simplicity. Il se cache dans la simplicité. Hallelujah. Amen. So Bethlehem, donc Bethlehem, was founded, était trouvé by one by Salmo, I think. Yeah. Était fondé par Salmon. Oh, Salma, it's the same. Par Salmon. 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 Ou Salma. Ou Salma. It's the same. C'est la même chose. Hallelujah. Amen. So Salma. Alors Salma. Oh, Salmon. Ou Salmon. Was a commander of the Israelite army. C'était un commandant de l'armée d'Israël. Salmon. Salmon. What Bob said, he was one of the Caleb's sons. Comme Frère Branham dit, c'était un descendant de Caleb. C'était un enfant de Caleb. But Salma, mais Salman. Hallelujah. Amen. Are you there, church? Vous y êtes, église? If you are spiritual, si vous êtes spirituel, I want you tell me if you are able to understand these things. Je veux que vous me disiez si vous êtes capable de comprendre ces choses. First of all, we see the simplicity of God. Premièrement, nous voyons la simplicité de Dieu. A little place where nobody will be attracted. Un petit endroit qui ne va attirer personne. When you go there, quand vous y allez, there's only wheat. Il n'y a que de champs de blé. Wheat field. Il n'y a que de champs de blé. But there's people live in that little town. Mais il y a des gens qui vivent dans cette petite ville. A little town. Une petite ville. And it has a history. Qui a une histoire. Now, I'm telling you, alors je vous le dis, the history of the little town. Que l'histoire, je vous parle de l'histoire de la petite ville. The people of the little town, les gens qui vivaient dans la petite ville, when they can come back, they can tell people, you know, we're here. S'ils y retournaient, ils vont vous dire, time ago, tu vois cet endroit, this happened here. Il y a quelque chose a qui a pris time place. Ago, tu sais, il y a longtemps, this happened here. À cet endroit, s'est passé quelque chose. So the life of Jesus, donc la vie de Jésus, was orchestrated into that little town's events. Et qui était orchestré par les événements qui ont pris place dans cette petite ville. But nobody could see it. Mais il n'y a personne qui pouvait le voir. That's where I see the beauty of God. Raison pour laquelle je vois la beauté de Dieu. He does things that goes beyond understanding. Il fait des choses qui vont au-delà de la compréhension. That even those who are more spiritual, they miss God. Que parfois même ceux-là qui sont très spirituels, ils manquent de voir Dieu. Even those who know
know the scriptures, même ceux-là qui connaissent bien les Écritures, quotes of the prophets, qui connaissent les citations du prophète, they can miss God, mais ils peuvent manquer de voir Dieu. Parce qu'ils ne sont pas parvenus à le voir dans la simplicité autour des événements qui entouraient leur vie. Because men are set in their mind. Parce qu'ils sont établis d'une certaine façon dans leur pensée. Alléluia. Amen. So you see here, alors voyez ici, Psalm, certains, the commander of the armies of Israel, Salomon, le commandant de l'armée d'Israël, married Rahab, se mariait à Rahab. How many knows Rahab? Combien connaissent Rahab? Rahab is the prostitute. Rahab, c'est la prostituée. The prostitute. La prostituée. Of Jericho. De Jéricho. Rahab. Because parce que he protected the spies. Elle a protégé les espions. And it was promised salvation. Et là, elle a reçu son salut. When Israel came, quand Israël est venu, her house was protected. Il y a une maison qui a été protégée. This prostitute, cette prostituée, she was not an Israelite. Elle n'était pas israélite. She was a Gentile. Elle était de gentil. But she was a prostitute. Mais elle était prostituée. So if you wanna do a background check, alors si tu veux faire une vérification de the background, the background, you'll have to go and find a prostitute in your life. Alors tu vas aller voir, oh, il y a une prostituée dans ta vie. You know, my mother used to be a prostitute. C'est comme quelqu'un qui vous dit, tu sais, ma mère était une prostituée. But then she got married and I was born. Mais quand elle s'est mariée, alors je suis né. Et vous paniquez. My mom was a prostitute. Ta maman était prostituée. Well, you are spiritual. Et tu es spirituel. You that are spiritual. Vous qui êtes spirituel. I want to ask you a question. Je vais vous poser une question. What would you think about all these things? Qu'est-ce que vous allez penser de toutes how ces choses? God is doing things. Comment est-ce que Dieu fait les choses? Salmon, a commander of Israelite armies, le commandant des armées d'Israël, marries Rahab the prostitute, a épousé Rahab la prostituée, and they brought forth a son, et ils ont mis au monde un enfant, and that son's name was Boaz, et le nom de cet enfant était Boaz. Boaz, and Salmon, et Salmon was the one who named the city Bethlehem. Et celui qui a donné le nom à la ville Bethlehem. And he even gave one of his sons the name Bethlehem. Et il a même donné à l'un de ses enfants le nom de Bethlehem. So Bethlehem, alors Bethlehem was founded by Salmon. Était créé par Salmon. And Salmon, et Salmon married Rahab the prostitute. A épousé la prostituée Rahab. And from their union, et de leur union, from their romance, de leur romance, came Boaz and Bethlehem and another son. I forgot the name. Est sorti Boaz et Bethlehem. So the life was there in Bethlehem. Donc la vie était là à Bethlehem. It started with Salmon. Ça a commencé avec Salmon. Who gave the city the name Bethlehem? Qui a donné à la ville le nom de Bethlehem? Alléluia. Amen. And Rahab, et Rahab was now the mother of Boaz. Était maintenant la mère de Boaz. Boaz who married Ruth the Moabite. Qui se mariait plus tard à Ruth la Moabite. So the father of Boaz, le père de Boaz, married a Gentile, a épousé les gentils, a prostitute, une prostituée, Rahab, who later became his wife, qui plus tard est devenue sa femme. And from their union, from their romance, out Boaz. Et de leur union romantique est venu Boaz. Now Boaz, Boaz alors, now get married to Ruth. À son tour se maria à Ruth. And Ruth also was a Moabite. Et Ruth aussi était une Moabite. Hallelujah. Amen. So Ruth, Ruth was gleaning, était en train de glaner, in the field of Boaz, dans le champ de Boaz, in Bethlehem, à Bethlehem, glory, amen, in the fields of wheat and barley in Bethlehem, that's where,
dans le champ de blé. The Moabite was gleaning. À Bethléem, c'est là que Ruth la Moabite glanait. Where the word came from? Where the bread came? Là d'où est-ce qu'est venue la parole? D'où est-ce qu'est venu le pain? The Moabite was gleaning. C'est là que la Moabite glanait. And she found favor with Boaz. Et elle a trouvé faveur devant les yeux de Boaz. Amen. Amen. And you know the story of love. Et vous connaissez l'histoire d'amour. Started with Ruth and Boaz. L'histoire de Ruth et Boaz. And in their romance. Et dans leur union romantique. They came forth a child. Est venu un enfant. And his name was Obed. Et son nom c'était Obed. And Obed. Et Obed. Brought forth Jesse. Engendrait Jesse. And Jesse. Et Jesse. Brought forth David. Engendra David. Alléluia. Amen. And all of them. Et tous. They lived in the little town of Bethlehem. Ont vécu dans la petite ville de Bethléem. When the prophet Samuel. Lorsque le prophète Samuel. Came from Ramah. Est venu du. De Ramah. De Rama. And God told him, et Dieu lui a dit, go to the house of Jesse, va dans la maison de Jesse, and anoint one of them, one of his children, as a king of Israel. Et oint l'un de ses enfants comme le roi d'Israël. So the prophet Samuel, alors le prophète Samuel, left Rama, a quitté Rama, and went to Bethlehem, et est parti à Bethléem. And David, et David, was he has gone to feed the sheep of his father. Était parti nourrir le troupeau de son père. They went to call him. Ils sont partis à Colin. To call him. Ils sont partis l'appeler. And he came. Et il est venu. And when Samuel saw David. Et lorsque Samuel a vu David. He got the anointing. L'onction est tombée sur lui. And he anointed David king in Bethlehem. Et il a oint David comme roi. À Bethléem. So there were so many things happening in Bethlehem. Donc il y avait plusieurs choses qui se passaient à Bethléem. So if you go there, donc si tu vas là-bas, maybe Solomon could say, peut-être Salomon va dire, you see in that corner there, tu vois ce coin là-bas, it's where my dad, c'est là que mon père fought the lion, a combattu le lion with his slingshot, avec sa lance. Maybe you see over there. Vous voyez là-bas, that's where the bear came. C'est de là que l'ours est venu. And my father fought the paws of the bear and took the sheep away. Et mon père a combattu l'ours et a lui a arraché le bélier. So all those events were taking place in this little town called Bethlehem. Tous ces événements prenaient place à ces petits endroits appelés Bethlehem. And people say, can anything good come from Bethlehem? Alors que les gens, à ce moment-là, se disaient qu'il y a quelque chose de bien qui peut sortir de Bethlehem. Bethlehem, a little town. Bethlehem, une petite ville. There's nothing there. Il n'y a rien là-bas. They're just wheat fields. C'est rien que les champs de blé. What is there in Bethlehem? Qu'est-ce qu'il y a là-bas à Bethlehem? You should come to Jerusalem. Tu dois venir à Jérusalem. Where people, everybody come. Là où tout le monde vient. It's a big city. C'est une grande ville. It's the capital. C'est la capitale. Here you shall see God. Ici tu vas voir you Dieu. You come to this big church. Tu viens dans cette grande église. Here you shall see c'est là, find God. C'est là que tu vas trouver Dieu. Do you come on this or that? Quand tu viens ici et là. God doesn't work that way. Dieu ne travaille pas comme ça. He has a plan. Il a un plan. For your life. Pour ta vie. And that plan, et ce plan is where you are going to be blessed. C'est par là que tu seras so béni. It's not about what attracts your eyes. Donc c'est pas par rapport à ce qui attire vos yeux. Because you are going to be deceived. Parce que vous serez séduit. It's about what is God's plan for you to be blessed. C'est par rapport à ce qui est le plan de Dieu pour votre bénédiction. If God says your blessing will come from Bethlehem, si Dieu dit votre bénédiction va venir de Bethlehem, that's where you gotta be. C'est là que vous devez être. Glory to God. Gloire à Dieu. Brother Branham says this. Frère Branham dit ceci. Are you seeing the background? Est-ce que vous voyez le fondement? Somebody would say, oh, but you know, Moses. Alors les gens, quelqu'un peut dire, oh, tu sais, Moïse. Say that Israelites should never marry non-Israelite. A dit que un Israélite ne peut pas épouser quelqu'un qui n'est pas d'Israël. But you see, Salman married Rahab. Mais tu vois, Salman a épousé Rahab. And you look even his son Boaz. Et vous regardez même son fils Boaz. He married Ruth, the Moabite. A épousé Ruth la Moabite. So that family, donc cette famille, they are mixed. Ils sont the blood is mixed there. Leur sang est
mélangé. Oh, I don't think Christ can come from that family. Je crois pas que Christ peut venir de cette famille. Let's run the background check and see. It doesn't work. On va un peu essayer de vérifier leur historique et voir. Ça marche pas. Do you remember David's son? Alors, est-ce que vous vous rappelez du fils de David? Solomon. His mother. Sa mère. Was somebody else's wife. C'était la mère de quelqu'un d'autre. And his father David committed adultery with that woman. Et puis son père David a commis adultère avec cette with femme. With Bathsheba. Avec Bathsheba. The wife of Uriah. La femme de Uri. And then his father killed Uriah. Et son père a fait tuer Uri. Now he took Bathsheba his wife. Et il a pris sa femme Bathsheba. And from that union came Solomon. Et de cette union est venu Salomon. And on until Joseph. Et ça continue jusqu'à Joseph. I'm saying naturally speaking. Alors je dis naturellement parlant. We know that the blood of Jesus Christ. Nous savons que le sang de Jésus-Christ did not come from Joseph's lineage. N'est pas venu de la lignée de Joseph. De la lignée de Joseph. The blood came from God. Le sang est venu de Dieu. The blood cell did not come from Joseph. Les cellules de sang ne sont pas venues de Joseph. The blood cell, the blood seed came from God. La semence est venue de Dieu. But what I want to show, naturally speaking. Alors ce que je voulais montrer, c'est que naturellement parlant, look at the background, lorsque vous regardez à l'historique, if you are very spiritual, si vous êtes très spirituel, you are going to miss it. Vous allez le manquer. Because you find so many mistakes. Parce que vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'erreurs. You find so many things to correct. Vous allez trouver plein de choses à corriger. And you say, I don't think that this is the right family. Alors il se peut que vous dites, je crois pas que ça c'est la bonne famille. Not only that, pas seulement ça. But Judah himself. Mais Judas lui-même. He had three sons. Il avait trois fils. And he gave his first son to marry Tamar. Et il a donné son premier fils en mariage à Tamar. And his son was a wicked man. Et son fils était méchant. God killed him. Dieu l'a tué. Tamar was a widow. Tamar était veuve. Now, Judah. Alors Judas decided. Se décidait to give Tamar his second son. De donner à Tamar son deuxième enfant. To raise a seed to his first son. Afin de léguer une semence à son premier fils. And his second son. Et son deuxième fils. He went with Tamar. Il est parti avec Tamar. But he spilled his seed. Mais a versé sa semence. Because he did not want to raise a seed to his brother. Parce que il voulait pas générer une semence pour son frère. God killed him. Dieu l'a tué. Now Tamar is again a widow. Tamar est encore une veuve pour la deuxième fois. Now Judah. Maintenant Judas. He tells Tamar. Il dit à Tamar. Wait for Shelah. Attends que Shelah. My youngest son. Mon jeune enfant. To grow. Grandisse. And then you take her. Et tu vas you le prendre. Take him. And when the son grew. Le fils a grandi. But he didn't give it to Tamar. Mais Judas n'a pas voulu le donner à Tamar. And Tamar, et Tamar, she heard, elle a entendu that Judah was coming, que Judas venait. Where she lives, là où elle vit. Because Judah sent her back to her father. Parce que Judas l'avait renvoyé chez son père. And said, "Stay at your father until the little boy grows." Il disait, reste chez ton père jusqu'à ce que le petit garçon grandisse. Now, when Tamar heard that, alors lorsque Tamar a appris ça, you know the story. Tu connais l'histoire. She disguised herself. Elle s'est déguisée as a prostitute. En prostituée. And she went with her father-in-law. Et elle est sortie avec son beau-père. And then we know she got twins. Et là nous savons qu'elle a eu des jumeaux. We know the story. Nous connaissons l'histoire. And Judah heard that Tamar was pregnant. Et Judas a appris que Tamar était enceinte. He said, "Bring her here. We are going to stone him to death." Il a dit, amène-la ici, on va la lapider. But what happened? Mais qu'est-ce qui s'est passé? When they brought Tamar. Lorsqu'on a amené Tamar. And Tamar said, "If you can tell me whose stuff are these, I'll tell you the father of the son." Alors Tamar lui dit, si tu peux me dire à qui appartiennent ces objets, je te dirai à qui est le père de l'enfant. Et Judas a réalisé qu'il était le père de l'enfant. He was so sorry. Il était tellement he désolé. Apologized. Il a demandé pardon. And they kept Tamar.
Et on a gardé Tamar. And he never took him, her anymore as a wife. Et il ne l'a plus jamais pris comme femme. And Tamar had the twins. Et Tamar a eu de jumelles. And those twins et ces jumeaux are the ancestors, sont les ancêtres, natural speaking, naturellement parlant, of Christ, de Christ, of Jesus. De Jésus. So they are his ancestors. Donc ils sont ses ancêtres. And they all grew up in Judah. Et ils ont tous grandi à Juda. Now we see that Bethlehem is a great story there. Alors nous voyons que Bethlehem a une belle histoire là. Brother Branham says this. Frère Branham dit ceci. In God's wrapped gift. Dans Dieu, le cadeau à mailloté de Dieu. You see, that's the way this city was. C'est comme ça qu'était cette ville. It was small in stature. C'était petit du plan de vue statue. And more in the valley. Et plus dans une vallée. And it wasn't too much to look upon. Et c'était ça n'attirait pas les regards. Ça n'attirait pas le regard. There was nothing to attract somebody there. Il y avait rien qui pouvait attirer quelqu'un là-bas. It's in the valley. C'est dans les vallées. And it has only fields. Et ce n'est qu'un champ. Its population, sa population was small, était petite. And is yet today. Jusqu'à maintenant. But it was because God chose it to do something. Mais c'est parce que Dieu avait choisi cette ville pour en faire quelque chose. Pourquoi cette petite Bethléem? Where there's nothing to it. Quand il n'y a rien de bon en ça. My friend, do not underestimate what God can do with anybody. Mon ami, ne sous-estime pas ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Maybe the person that you so underestimate. Peut-être que la personne qui tu vois sous-estimer. It's where you're gonna get your blessing. C'est de là que tu vas tirer ta bénédiction. So what you need to do, alors, ce que tu dois faire, to be humble, c'est d'être humble. That's the reason David said, raison pour laquelle David dit, they're humble, l'humble, they will see God at work, va voir Dieu à l'œuvre, and they shall rejoice and be glad, et ils vont s'en réjouir. They will see God in small things revealed in their life. Ils vont voir Dieu dans des petites choses qui se révélera dans leur vie. Do not neglect anybody around you. Ne néglige personne autour de toi. You don't know what God can do through that person to bless you. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut faire à travers de cette personne pour be te bénir. Be humble. Sois humble. Be humble. Sois humble. And wait and see the hands of the Lord on the move. Et attends-toi à voir le la main de Dieu à l'œuvre. Don't think of great things now. Ne pense pas aux grandes choses maintenant. But just think what God can do for you is sufficient. Mais regarde simplement ce que Dieu peut faire pour toi comme étant suffisant. Frère Branham dit, that's what I like. C'est ce que j'aime. Something that God chooses. Quelque chose que Dieu a choisi. No matter what it looks like to people. Peu importe de quoi ça a l'air pour les hommes. To, just as long as God chose it. Aussi longtemps que Dieu l'a choisi. My friend, mon ami, it doesn't matter how the person looks. Peu importe de quoi la personne a l'air. If God chose that person, si Dieu a choisi cette personne, that's how God's gonna do it. C'est ce que Dieu va faire. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. You see, vous voyez, somebody may say, quelqu'un peut dire, oh, this person is black. Cette personne est noire. Nothing can come from him. Il n'y a rien qui peut venir de lui. They are black. Ils sont noirs. There's nothing good. Il n'y a rien de bon. But the prophet, mais le prophète, in those days, en ces jours-là, when everybody rejected the black people, lorsque tout le monde a rejeté les noirs, they considered them as, the slaves. On les a considérés comme des esclaves. In those years, dans ces années-là, white people could not mix with black people. Les noirs, les blancs ne pouvaient pas se mélanger aux noirs. But Brother Branham, mais Frère Branham, received the Holy Ghost. Il a reçu le Saint-Esprit in a black church. Dans une église de la communauté noire. And say God led him there. Et Dieu l'a conduit là-bas. Frère Branham dit, I got converted. J'ai été converti in a church of the colored people. That's where God he got converted. Dans une église des hommes de couleur, c'est là qu'il a été converti. It doesn't matter how they look. Peu importe de quoi ils ont l'air. But it was there that Brother Branham received the blessing. Mais c'est de là que Holy Ghost. C'est de là que Frère Branham a reçu le don du Saint-Esprit. It doesn't matter how people look. Peu importe de quoi les gens ont l'air. People have their own ideas. Les gens ont leurs propres idées. My friend, I'm gonna tell you today, mon ami, je voulais te dire aujourd'hui. Be humble. Sois humble. Before the leadership of God. Devant la conduite de otherwise, Dieu. Otherwise, sinon, you are going to miss the channels of your blessings. Va manquer ton canal de bénédiction. Hallelujah. Amen.
Let me read it for you. For alors, you to, je veux lire pour vous. To give you something. Afin que vous puissiez saisir quelque chose avant que je ne continue. Oh, God. Oh, Dieu. Give me a second here. Accordez-moi une seconde. Yes. I got the message here. Alors j'ai le message. In a message, there is only one way provided by God for anything. Dans le message, il y a un seul moyen pourvu par Dieu pour toute chose. There's only one way. Il y a un seul moyen. Provided by God. Pourvu par Dieu. For anything. Pour toute chose. In that message preached in 1963. Dans ce message prêché en 63. After the revelation of the seals. Après la révélation de sceaux. In paragraph 52. Dans le paragraphe 52. Brother Branham says. Frère Branham dit. I was converted. Je t'ai converti. In a converted ballroom. Dans un bar qui était converti. Dans un bar qui était converti. And I feel very much at home now. Et je me sens vraiment à la maison. Because I think it was in a something that was also converted. Parce qu'il était aussi dans quelque chose qui était converti. See, I look back there. Il a dit, je regardais là-bas. And see that counter. Et j'ai vu le comptoir. And so forth. Et ainsi de suite. It was a little colored church. C'était une petite église de hommes de couleur. Where I received the baptism of the Holy Ghost. Où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Was led there by the Lord. J'étais conduit là-bas par le Seigneur. Now to see this kind of places. Alors pour voir cette sorte de place. They don't want to. Les gens ne veulent pas. They got to have the big flowery name behind it. Ils veulent avoir un grand nom derrière ça. They got to have so much behind it. Ils veulent avoir beaucoup. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses attachées à cela. Or people want. C'est ce que les gens veulent. Or people want. Ou ils veulent qu'il y ait beaucoup de choses attachées à cela, ou soit ils ne vont pas les désirer. Amen. It's got to be so pretty. Ça doit être joli. Outwardly. Attirant. The appearance. Until it isn't that way, then the people don't want nothing to do with it. Alors si ça n'apparaît pas comme cela, les gens ils n'en ont rien à faire. My friend, mes amis, it's easy to say it now. C'est facile de le dire maintenant. But to live in those days. Vivre à cette époque. When the black and the white people could not come together. À l'époque où les blancs et les noirs ne pouvaient pas s'entremêler. One time, Brother Branham was coming out of a meeting. Une fois, Frère Branham sortait d'une réunion. And he heard a black man crying, "Have mercy, have mercy." Il a entendu un noir crier, "Sois miséricordieux." There was a lot of there was two police officers escorting Brother Branham. Il y avait deux policiers qui escortaient Frère Branham. Because there were so many people around. Parce qu'il y avait plusieurs gens autour. And Brother Branham, something spoke to him. Et quelque chose lui a parlé. He felt something pulling him. Il a senti quelque chose qui le tirait. He knew. Il savait. That God. Ça c'est Dieu. And when Brother Branham turned, et lorsque Frère Branham a tourné, he was going with the police officer. Il partait avec les officiers he de la police. Changed direction. Il a changé de direction. The police officer asked him, les officiers de la police lui ont demandé, "Reverend, where are you going?" Reverend, tu pars où? I said, "I'm going to that black man." Il a dit, je pars chez cet homme noir. They told Brother Branham, ils lui ont dit, "Don't do it." Ne le fais pas. You are going to create a racial riot. Tu vas créer des émeutes raciales. But Branham said, I say I'm going to that black man. Frère Branham a dit, je vais chez cet homme noir. And he went. Et il est parti. When he was blind. Il était aveugle. He was born but became blind. Il était né voyant mais il est devenu aveugle. He spent 10 years blind. Il a passé 10 ans aveugle. And Branham prayed for him. Et Frère Branham a prié pour lui. Amen. Amen. So what I'm trying to tell you. C'est que j'essaie de te dire. Is that? C'est que. Today. Aujourd'hui. If you look what Brother Branham did, si tu regardes à ce que Frère Branham a fait, people won't do it today. Les gens ne vont pas le faire aujourd'hui. Like living there,
comme, and to go to black church. Comme vivant là et partir dans une église noire. And there to receive the baptism of the Holy Ghost. Et aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. People did not want Brother Branham to get connected with them. Les gens ne voulaient pas que Frère Branham puisse se connecter à eux. The Pentecostals. Les pentecôtistes. But you know the Holy Ghost on that came down in Azusa Street. Mais vous savez le Saint-Esprit qui est descendu sur la rue d'Azusa. It came among the black people. C'est venu parmi les noirs. They were the ones who carried the revival of the Holy Ghost. Ce sont eux qui avaient le réveil du Saint-Esprit. And Brother Branham went to their meeting to receive the baptism of the Holy Ghost. Et Frère Branham est parti dans leur réunion pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. But it was in a bar room. Mais c'était dans une salle de bar convertie. That was converted as a church. Qui a été convertie en une église. He said, "I can see the counter. I remember the counter." Il a dit, je pouvais voir, c'était apparent qu'on se rappelle que ça, c'était un comptoir. Parce que le comptoir du bar était encore là. It was not a big church. C'était pas une grande église. It was a small gathering. C'était un petit lieu de rencontre. Neglected by everybody. Négligé par tout le monde. But that's where God was revealed. Mais c'est là que Dieu se révélait. So I want to tell you today. Je veux vous dire aujourd'hui. Stop looking at great things. Arrêtez de regarder aux grandes but choses. Ask God to open your eyes. Mais demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. In the little things to see his greatness. Afin que dans des petites choses tu puisses voir sa grandeur. Because God. Parce que Dieu. Is not in the things that catches the eye. N'est pas dans les choses qui attirent l'œil. It's the devil who is that business. C'est le diable qui est dans ses affaires. God is business is revelation. Les affaires de Dieu, c'est la révélation. The things that eye cannot see. Les choses que les yeux ne peuvent pas voir. The things that ear cannot hear. Les choses que les oreilles ne peuvent pas entendre. But God reveals them to his children. Mais Dieu le révèle à ses enfants. God. Dieu. Is in the revelation business. Il est dans les affaires de révélation. It must be revealed unto you. Cela doit être révélé. It doesn't matter how the persons look. Peu importe combien la personne it doesn't matter how the place looks. Ressemble. What counts ce qui compte, is God's revelation. C'est la révélation de Dieu. Because that's where you have to stand. Parce que c'est là que tu dois tenir. Hallelujah. Amen. So we see one more thing before we move on here. Donc nous allons voir une chose de plus avant de continuer. Now, it was there in Bethlehem. Donc, c'était là à Bethléem. In this little town. Dans cette petite ville. Where there was only fields of wheat. Où il n'y avait que de champs de blé. But it has a story. Mais il y avait une histoire qui était attachée. Of the it is a royal story. Une histoire royale. A royal story. Une histoire royale. Now Joseph and Mary. Maintenant Joseph et Marie. Mary was now pregnant. Marie est maintenant enceinte. They have to go. She was already almost due. Elle était à terme. But this king. Mais ce roi. He said, "Everybody." A dit tout le monde. Go back to your town. Rentrez dans votre ville natale. Where you were born. Où tu étais né. Or where your ancestries are. Où d'où sont sortis vos ancêtres. Go back where you came from. Repars d'où est-ce que tu es venu. Register there. Register. Allez vous faire enregistrer là-bas. Allez vous faire enregistrer. And it didn't matter. Oh, I'm pregnant. I'm sick. If you are sick, let people take you with a coat and go. Peu importe que tu sois malade ou enceinte, les gens peuvent t'accompagner. Vas-y. So even their decisions, même leurs décisions, decisions made by the government, les décisions qu'a pris le gouvernement, was in line with the fulfillment of God's prophecy. C'est aligné à l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Listen to what Brother Branham says here. Tu veux ce que Frère Branham dit? In God's wrapped gift, dans le cadeau à mailloté de Dieu. But all things are foreordained of God. Mais toute chose est ordonnée de Dieu. That works together for good to them that love him. Qui concourt au bien de ceux qui l'aiment. It was ordained of God. C'était ordonné de Dieu. That there should be a heartless king. Qui devait avoir sans cœur. In that day. En ces jours-là. The bloodthirsty Herod. Hérode, le roi qui aimait le sang. God knew about that. Dieu connaissait cela. God knew about the taxes. Dieu connaissait les taxes. And how this brutal government did not have no thought of the mercy. Et comment est-ce que ces gouvernements brutaux n'avaient aucun sens de pardon?
on that poor mother that was just about to be ready to deliver her firstborn son. En cette pauvre maman qui était prête à mettre au monde son enfant. Just in a few days. Juste quelques jours avant. But he commanded that they all shall come to their native birthplace. Mais il les a tous ordonnés à repartir à leur terre natale. And pay taxes. Et payer des taxes. No matter what condition she is in. Peu importe la condition dans laquelle she se trouve. She got to come. Anyhow, elle devait partir, peu importe God comment. Knew all about that. Dieu connaissait tout cela. Can somebody say God knew all about my life? Que quelqu'un dise Dieu connaît tout à propos de ma vie. He foreknew all things. Il a connu tout d'avance. And he knew all things. Et il connaissait toutes choses. And he makes everything work together for good. Et il a fait concourir tout pour le bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. What can you say? Qu'est-ce que tu peux dire? A heartless king. Un roi sans cœur. A brutal government. Un gouvernement cruel. A bad decision. Des mauvaises décisions. A killer. Un tueur. All mixed together. Tout mélangé ensemble. On your road. Sur ton chemin. To bring you to fulfill the purpose of your life. Pour t'amener à accomplir le but de ta vie. People think. Les gens pensaient everything must be nice. Que tout doit être joli. But for the plan of God to be fulfilled, alors que pour que le plan de Dieu soit accompli, God brings things together. Dieu, il amène les choses ensemble. He orchestrates things. Il va orchestrer des choses. Alléluia. Amen. I'm a little bit proud about the Congo too. Je suis un tout petit peu fier du Congo. I'm not trying to be neglecting anybody, but je n'essaye pas de négliger quelqu'un, mais je crois que frère Joseph aussi en a parlé. Congo, this country that people has war has gone through the Congo. Whatever has gone through the Congo. Congo, un pays qui est frappé par la guerre et toutes sortes d'événements qui y passent. Poverty and things. La pauvreté et plusieurs choses. A country that has produced so many refugees. Un pays qui a produit plusieurs réfugiés. All over the world. Partout dans le monde. In every country of the world, dans tous les pays du monde, you'll find Congolese. Tu vas trouver des Congolais. But what Joseph said, le frère Joseph disait, they are missionary-minded people. Ils sont des gens qui sont conçus. Ils ont un esprit missionnaire. Voilà. Wherever they go, partout où est-ce qu'ils vont, they want to make sure that there's a church. Ils veulent s'assurer qu'il y a une église. I'm not saying every time it's the right way it's being done. Je ne dis pas que à chaque fois ça a été fait de la bonne manière. But this is a fact that we cannot deny. Mais c'est un fait, donc on peut pas le renier. On the other side, et de l'autre côté, you look the people that they are neglected. Tu regardes les gens qui sont négligés. But on the other side, de l'autre côté, you see what God is doing. Tu vois ce que Dieu fait. Look at the country today. Regarde les pays aujourd'hui. Which country in the world has so many believers? C'est quel pays au monde qui a plusieurs croyants? Like the Congo. Comme le Congo. Little Congo. Si je peux dire le petit Congo. Because it has nothing. Parce que it ça fait riches, rien de it bon. Has so many things. C'est but poor country. On dit que c'est riche mais c'est pauvre. Alléluia. Amen. So God took all the things together, put them together. Alors Dieu a pris toutes ces choses, les a amenées ensemble. So in a place that people could not think anything good could come out of it. Alors, à l'endroit où on voyait rien de bon, on pensait que rien de bon and pouvait sortir. And there comes the greatest gift that God has ever given to the world. Mais de là est sorti le plus grand don que Dieu pouvait donner au monde. I want you to pay attention now to my message. Je veux que vous tirez attention à mon message. The greatest gift. Le plus grand don. That has ever given to the world. Qui n'a jamais été donné au monde. Came through Bethlehem. Est venu par le moyen de Bethléem. And that gift et ces cadeaux was wrapped, était emmailloté, was wrapped in a baby, était emmailloté, was wrapped in swaddling clothes, était emmailloté dans des habits sales. Hallelujah. So the greatest gift, alors le plus grand cadeau, what is the greatest gift that God can ever ever give to the world? C'est quoi le plus grand cadeau que Dieu peut donner au monde? The Bible says, la Bible dit, God so loved the world, Dieu a tant aimé le monde, that he gave his own begotten son, qu'il a donné son fils unique, that whosoever shall believe in him, afin que quiconque croit en lui shall receive,
Eternal life. La vie éternelle. So God gave to humanity the gift of eternal life. Alors Dieu a donné à l'humanité le don de la vie éternelle. And that gift of eternal life, et ce don de la vie éternelle, it came through Bethlehem. Est venu par le biais de Bethléem. It came through a little baby. Est venu par le moyen d'un petit bébé. When Judea, Jerusalem, and all the Romans, the Greeks, they're waiting for the Messiah to come. Là où tous les habitants de Juda, de Bethléem, les prêtres attendaient que le Messie vienne. They thought maybe they shall rise another soul, a king, a son of Kish, to come and be a king over Israel. Ils pensaient peut-être se lèvera un autre Saül qui viendra et qui sera roi d'Israël. They thought there shall be another David anointed to be a king over Israel. Ils pensaient qu'il y aura un autre David ou un qui viendra pour devenir roi d'Israël. But this time, mais ici, God gave them a baby. Dieu leur a donné un bébé. This is the king. Ils disent, c'est ça le roi. Yes, it was the king. Oui, c'était le roi. It was the God's greatest gift to the world. C'était le plus grand don que Dieu a donné au monde. Brother Branham said, Frère Branham dit, the first Christmas ever. Le premier Noël qui a pris place. It was God's gift of eternal life. C'était Dieu qui donnait la vie éternelle. Wrapped in swaddling clothes. Emmailloté dans des habits sales. Alléluia. Amen. Just a little while from then, the world was going to receive its greatest gift that it's ever received. Alors le monde s'attendait à recevoir le plus grand don qu'il n'ait jamais reçu. A little package. Un petit paquet. Wrapped up. Emmailloté. A little first little Christmas package. Un petit premier don de Noël that was ever wrapped in all the world. Qui n'ait jamais été emmailloté. God wrapped it up. Dieu a emmailloté cela. It want to, I want to break it on my foot. Je veux essayer de and say this. Et dire ceci. The greatest thing was ever wrapped in human flesh. La plus grande chose qui n'ait jamais été emmaillotée dans la chair humaine was wrapped in it. Était emmailloté en cela. God himself, Dieu lui-même, wrapped his own self. S'est emmailloté lui-même. God himself, Dieu lui-même, wrapped his own self. S'est emmailloté lui-même. In a Christmas package, dans un paquet de Noël. And sent it to the world. Et l'a envoyé au monde. Why did they refuse it? Pourquoi ils n'ont pas refusé? Why couldn't they see it? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu le voir? Why did they turn it down? Pourquoi est-ce qu'ils ont rejeté cela? Why is it they Pourquoi didn't want it? Ils n'ont pas voulu. The same reason. La même raison. They don't want it tonight. Qu'ils ne veulent pas cette nuit. So tonight. Alors cette nuit. It's the same thing. C'est la même chose. It wasn't handed to them in the custom that they were used to gifts being handed. Cela ne leur a pas été donné dans le coutume de recevoir les gifts comme ils étaient habitués. Amen. That's the reason. C'est la raison pour laquelle it rejected yet tonight. Ça, c'est aussi rejeté. It's because it's handed to the people. C'est parce que ça a été donné aux gens. In the custom. Dans une coutume. That they have been used to receiving gifts. Parce que ça leur a été donné à eux. Ça leur a pas été donné. Parce que ça leur a pas été donné en une culture pour laquelle ils étaient habitués à voir des choses. But God wrapped his own package. Mais Dieu a emballé son propre paquet. Listen to what Branham says. Écoutez ce que Frère Branham dit. It's got the right to do it. Dieu a le droit de le faire. He's the one that is giving it. Il est celui qui le donne. He has the right to wrap it any way he wants to wrap it. Il a le droit de la mailloter de n'importe quelle façon. Doesn't make any difference how it is. Cela importe peu. It's got a right to do it. Il a le droit de le faire. Because he's the one that's giving the gift. Parce que c'est lui qui donne le don. Alléluia. Amen. Another thing, the reason of it, it was. Et so, l'autre raison, c'est it was not customary for them to receive it the way it was wrapped. C'était pas dans leurs habitudes de le recevoir de la façon dont il était emmailloté. They were expecting something, a gift that would come down on chariots. Ils s'attendaient à ce qu'un don descende dans de chariots. Alléluia. Amen. So tonight, my brother,
Alors cet après-midi, mon God frère, gift hasn't come the way people wanted it to come. Le don de Dieu n'est pas venu de la façon dont les gens s'attendaient à so voir. Turn it down. Alors ils l'ont rejeté. They turn it down. Ils l'ont rejeté. Want it. Ils veulent pas de cela. They want it wrapped in the kind of goods that they want to wrap it in. Ils veulent qu'il soit emballé dans le genre de bien que eux veulent voir. It must come according to their doctrine. Ça doit venir selon leur doctrine. The Pharisees. Les pharisiens. The Sadducees. Les sadducéens. The scribes. Les scribes. The publicans. Le publicain. All of them. Tous. The Nazarene. Les nazaréens. All those groups. Tout ce groupe. They have their own ideas. Ils ont leurs propres idées. On what that Messiah should be. De c'est à quoi ce Messie doit ressembler. Comment est-ce qu'il doit venir? But he comes so different. Mais il vient tellement différemment. Until they rejected him. Au point où ils l'ont Jesus rejeté. Jésus lui-même grew up with a bad reputation. A grandi avec une mauvaise réputation. Like he was a bastard child. C'est comme s'il était un fils bâtard. Because they did not know his father. Parce qu'on ne connaissait pas son père. They say his mother, ils ont dit sa mère got pregnant before they got married. S'est mariée avant qu'il se marie. And it was not the son of Joseph. Est tombé enceinte avant qu'il se marie. Ce n'était pas le fils de Joseph. So they thought it was a bastard child. Alors on savait que c'était un enfant bâtard. What I'm saying, he grew up with a bad reputation. Frère Branham dit qu'il a grandi avec une mauvaise réputation. But he was the wrapping. Mais il était the package, the wrapping. Oh, il était l'emballage. That came with God's greatest gift to the world. Qui est venu avec le plus grand don de Dieu au monde. So the most important thing was. Alors la chose. People should accept the wrapping. Alors la chose la plus importante que les gens devaient accepter cet emballage. Because if you refuse the wrapping. Parce que si tu regardes, tu refuses cet emballage. That means you reject the gift. C'est-à-dire que tu as rejeté le don. The only way you could receive the gift. L'unique moyen de recevoir was le don. To accept the wrapping. C'était d'accepter l'emballage. Then you open the wrapping. Alors tu ouvres l'emballage. What is inside? Qu'est-ce qui est dedans? Then you see the gift. C'est là que tu vas voir le don. When you go through the wrapping. Quand tu passes par l'emballage, when you go past the veil, quand tu dépasses la, you le can vase, see inside, tu peux voir à l'intérieur. What do you have? Qu'est-ce que tu as? Hallelujah. Amen. So the prostitute woman, alors la femme prostituée, who came and washed the feet of Jesus, qui est venue nettoyer le pied de Jésus, she accepted the wrapping. Elle a accepté l'emballage. And when she went inside the wrapping, et quand elle est entrée dans l'emballage, she found forgiveness of her sin. Elle a trouvé le pardon pour ce péché. Some people opened the wrapping, certaines personnes ont ouvert l'emballage. And they found healing. Et ils ont trouvé la guérison. Some people opened the wrapping, certaines personnes ont ouvert l'emballage. And they found joy, et ils ont trouvé la joie. Deliverance, la délivrance. Whatever they had need of, tout ce dont ils avaient besoin. Because they have accepted the wrapping, parce qu'ils avaient accepté l'emballage. And they went inside the gift, ils sont entrés dans le cadeau. They went inside the present, ils sont entrés dans le cadeau. God's greatest gift to the world, le plus grand cadeau de Dieu au monde. Came through a wrapping, est venu par un emballage, through a package, par un paquet, done by God himself, fait par Dieu lui-même, different from what people expected, différent de ce à quoi les gens s'attendaient. Why didn't people don't want it? Pourquoi est-ce que les gens ne l'ont pas voulu? Because it was going to break their system. Parce que ça allait détruire leur système. They said, this word, we don't want it. Ils ont dit non, cette façon, on ne la veut pas. You know, you gotta be careful with those people. Alors vous savez, vous devez faire attention avec ces gens. If you believe that message, they will make you wear skirt. You won't wear trousers anymore. Tu sais, ils peuvent te faire porter des jupes et que tu ne portes plus de pantalon. Oh no, it will make you lose all your makeups and everything. Non. You become a very, very ugly. Si tu crois en ce message, ces gens ils vont te débarrasser de tous tes maquillages et puis tu deviendras laide. You know you won't go to the bar anymore. Tu sais, tu n'iras plus dans des bars. You won't go to the beach anymore. Tu n'iras plus à la plage. You're not going to take alcohol anymore. Tu ne vas plus boire de l'alcool. You're not going to take cigarettes anymore. Tu vas plus prendre la cigarette. You're not going to enjoy sex with boyfriends and girlfriends here and there the way you want to. Tu vas plus te réjouir de sexe avec des amants et des petites amies comme avant. Oh, you know, it's a cult. Tu sais, c'est. It's a cult. C'est un culte. C'est un secte. They don't want you to watch those nice movies
that we have from Hollywood. Ils veulent pas qu'on regarde ces jolis films qu'on a de Hollywood. Oh, they're going to make you like a nutball. You won't enjoy life anymore. Ils vont faire de toi un vieillard alors que tu es jeune et que tu vas plus te réjouir de la vie. And they don't want the gift anymore. Et ils ne veulent plus ce cadeau. Because they know inside. Parce qu'ils savent qu'à l'intérieur. They don't want what is inside there. Ils ne veulent pas ce qu'il y a à l'intérieur. What is inside? I don't want it. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je ne veux pas. Keep your gift. Non, garde ton cadeau. And by doing so, et en faisant cela, they're rejecting God's greatest gift of eternal life. Ils rejettent le plus grand don de Dieu de la vie éternelle. Because what happened? Parce que qu'est-ce qui se passe? When God wrapped himself, lorsque Dieu s'est emmailloté lui-même in Jesus Christ, en Jésus-Christ, and he presented himself to the world, et il s'est présenté lui-même au monde as a gift, comme le don. You know what happened? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? People, les gens who received the wrapping, qui ont reçu l'emballage, they looked inside, ils ont regardé dedans, they saw the gift, et ils ont vu le cadeau. Hallelujah. Amen. They received the Holy Ghost. Ils ont reçu le Saint-Esprit. They received eternal life. Ils ont reçu la vie éternelle. And Brother Branham said, et Frère Branham dit, after that, après cela, God took back the wrapping. Dieu a retiré, l'emballage. Jesus Christ, Jésus-Christ, the body, le God corps, took it back. Dieu l'a retiré. But God, mais Dieu, he did another re-wrapping. Il a fait un autre réemballage. So, the same thing that was in Jesus, dans la même chose qui était en Jésus, was now wrapped in the human beings, men and women, on the day of Pentecost. Était maintenant emballé dans des humains, des femmes et des hommes le jour de Pentecôte. And those men and men, et ces hommes et femmes, they were supposed also to reveal the same gift to others to receive eternal life. Était aussi destiné à accepter ce même don pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Le christianisme, Frère Branham dit, ça passe des uns aux autres. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. And in every church age, et dans chaque âge de l'Église, people go astray. Le gens s'égare. God sends a man. Dieu envoie un homme to reveal himself to that people. Pour se révéler à ce peuple. And in this age, et dans cet âge, God did the same thing. Dieu a fait la même chose. God wrapped himself. Dieu s'est emmailloté. He wrapped himself in a human being. Il s'est emmailloté dans la chair humaine. To fulfill, pour accomplir Malachi 4, Malachi 4, Luke 17, 30, Revelation 10, 1 to 7, Apocalypse 17, 30, 10. Et à 7. All those scriptures, brother and sister, toutes ces écritures, frères et sœurs, resurrect Christ among the people again. C'était pour que Christ puisse ressusciter une fois de plus parmi les gens. So it was a gift. Donc c'était un don. It was a gift. Elle était un don. The same way there was a gift in the eastern people. De la même façon, il y avait un don dans l'Est. Where God was veiled in the human flesh. Lorsque Dieu était voilé dans la chair humaine. In the days of the Son of Man. Dans les jours du Fils de l'homme. It came to pass in the last days. Il s'est fait que dans les derniers jours. According to Luke 7:30. Selon Luc 17. As it was in the days of Sodom and Gomorrah. Comme il en était au jour de Sodome et Gomorrhe. So shall it be on the days of the coming of the Son of Man. Alors il en serait de même au jour de la venue du Fils de l'homme. God once again wrapped in a human being. Dieu lui-même encore voilé dans la chair humaine. He presented himself to the Gentile bride. Il s'est présenté. In this last age. À l'église de gentils dans cette dernière âge. Hallelujah. Amen. It was a Christmas for the people of this age. C'était un Noël pour les gens de cet âge. God's gift. Le don de Dieu. Emmanuel. Emmanuel. God with us again. Dieu avec nous encore. Revealed. Révélé. Because God. Parce que Dieu. Only gives eternal life through human beings. Ne donne la vie éternelle que par les humains. He said he was the giver of eternal life. Il a dit qu'il était le donateur de la vie éternelle. But he came through a human being. Mais il est venu par. He came through the wrapping of a human flesh. Il est venu par l'emballage d'un corps humain. To impart eternal life. Pour apporter la vie éternelle. That body. Ce corps. Was taken to heaven. Était enlevé au ciel. Now people. Maintenant le jour. On the day of Pentecost. Dans le jour de Pentecôte. They wrap the gift of eternal life again.
ils ont revêtu du... They kept on passing on to people. Ils ont revêtu de l'emballage du chair humain et ont continué à transférer ça aux gens. Et aujourd'hui, la vie éternelle is imparted through human flesh. C'est transmis au travers du corps humain. You won't see a tree give you eternal life. Vous ne verrez pas un arbre qui vous donne la vie éternelle. You say, no, Jesus gives eternal life. How does he give it to you? Vous dites, Jésus donne la vie éternelle. Comment est-ce qu'il vous la donne? Is it a tree that gives you eternal life? Est-ce que c'est un arbre qui vous donne la vie éternelle? Is it a building that gives you eternal life? Et c'est un bâtiment qui vous donne la vie éternelle? Were you just working and you receive eternal life? Tu étais simplement en train de marcher que tu as reçu Somebody la vie éternelle. Must give it to you. Quelqu'un doit vous la donner. It must be passed on unto you. Cela doit vous être transmis. So today, et alors aujourd'hui, l'Église must wrap that great gift of God. Doit emmailloter ce grand don de Dieu. You and I, vous et moi, we must wrap the God's greatest gift given to humankind today, eternal life wrapped in you today. Nous devons renfermer comme emballage ce grand don de Dieu en vous aujourd'hui. It's now your turn. C'est maintenant votre tour. To impart eternal life. To impart. De distribuer, de donner cette vie éternelle. De distribuer la vie éternelle. Let people come and see you. Que les gens viennent vous voir. Let people open your package. Que les gens ouvrent votre paquet. You become a mercy seat. Et que vous devenez un propulsateur. Frère Branham dit, if you receive the Holy Ghost, si vous recevez le Saint-Esprit, you become a mercy seat. Vous devenez un propulsateur. A mercy seat. Un propulsateur. It's a place where people come to meet God. C'est un endroit où les gens viennent rencontrer It's a place Dieu. People come to receive mercy. C'est un endroit où les gens viennent recevoir la guérison. Les gens qui sont malades peuvent venir Those recevoir la guérison. Demons, they can come receive deliverance. Ceux-là qui sont possédés par des démons peuvent Those recevoir leur délivrance. The Holy Ghost, they can come and you lay your hands upon them, they receive the baptism of the Holy Ghost. Ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit peuvent When venir vous imposer les mains, ils auront le Saint-Esprit. Life, Lorsque vous recevez le don du Saint-Esprit, you are wrapping that gift in yourself. Vous vous emmaillotez de ces dons. Become a mercy seat. Vous devenez un propulsatoire. So you sister, donc vous sœur, you brother, vous frère, you must become a mercy seat. Vous devez devenir un propulsatoire. If you don't bring people to Christ, si vous n'amenez pas les gens à your Christ, place is at the altar. Votre place est à l'autel. You need to receive the Holy Ghost. Vous devez recevoir you le Saint-Esprit. Bring people to Christ. Vous devez amener les gens If à Christ. You have received si vous avez reçu the gift of eternal life, le don du Saint-Esprit, you must become vous devez devenir a mercy seat. Un propulsatoire. To impart eternal life. Pour livrer la vie éternelle aux gens. It shall be again another Christmas. Il doit y avoir un autre It Noël. Shall be again God with us. Il doit y avoir un autre Dieu avec Because nous. Brother Branham, Parce que frère Branham, in this age, en cet âge, he was God's address for the people. Était l'adresse de Dieu pour les gens. To find God, pour trouver Dieu. He was a mercy seat Il était le propulsatoire for the people of this age. Pour les gens de ce God âge. Dieu want to meet people. Voulait rencontrer he les gens. Not come to people. Il ne pouvait pas venir directement he needed aux gens. Somebody. Il avait besoin de quelqu'un. And he used a man. Et il a utilisé And un homme. That man Et cet homme A place of mercy. Est devenu un propulsateur. That's how God works. C'est comme ça que Dieu fonctionne. There must be somebody Il faut qu'il y ait quelqu'un to be a mercy seat for you. Qui sera un propulsateur pour vous. There must be a human flesh Il faut qu'il y ait une chair humaine to become a mercy seat for you. Pour devenir un propulsateur pour vous. Hallelujah. Amen. If you believe it, say amen. Si vous croyez, dites amen. That's the word of God. C'est la parole de Dieu. Let me read what Brother Branham says here. Je vais lire ce que Frère Branham dit ici. I'm going to let you go. Time is gone. Je vais vous laisser partir. Le temps est parti. Hallelujah, glory to God. Alléluia, gloire à Dieu. When I read what I know can help you then. Je vais lire quelque chose qui pourra vous aider. What about say eternal life must be made? So eternal life was made flesh among us. Alors frère Branham dit que la vie éternelle était faite chair parmi nous. Eternal life must be made flesh. La vie éternelle doit être faite chair. For somebody to receive it. Pour que quelqu'un la reçoive. People don't want it because it will make them act different. Les gens n'en veulent pas parce que ça va leur
faire comme il va faire en sorte qu'il se comporte différemment. That's how you receive the Holy Ghost. C'est comme ça que tu reçois le Saint-Esprit. It will make you act different. Ça va faire en sorte que tu puisses agir différemment. It will change your behavior. Ça va changer votre habitude. It will change your attitude. Ça va changer vos attitudes. It will change the things that you like. Ça va changer le votre goût. But people don't want it. Mais les gens n'en veulent pas. They want the gift of eternal life. Ils veulent le don de la vie éternelle. Packed in the way they want to be wrapped. Soit emballés de la façon dont ils veulent qu'ils soient emballés. Avec leur propre credo. But Christ, mais Christ, eternal life, la vie éternelle, cannot be wrapped in a creed. Ne peut pas être emballé dans des credos. Christ, Christ, eternal life, la vie éternelle, cannot be wrapped in a doctrine. Ne peut pas être emballé dans une doctrine. Christ, Christ, eternal life, la vie éternelle, is wrapped in human flesh. Est emmailloté dans la chair humaine. Your heart, votre cœur, must become the manger, doit devenir le mangeoir, where Christ, the Word, is born, le mangeoir où Christ, la parole, est né. And the gift of eternal life revealed in human flesh. Et le don de la vie éternelle va se révéler dans and la chair humaine. And people see eternal life here in human flesh. Et les gens vont voir la vie éternelle ici dans so la chair God humaine. So when God sent the gift of eternal life. Dans, lorsque Dieu envoie le don de la it was veiled in human flesh. De la vie éternelle, c'était voilé dans la chair that's humaine. How it was received the first time. C'est comme ça que c'était reçu pour la toute première and fois. That's why it's always been received. Et c'est comme ça que ça a toujours été reçu. Hallelujah. Amen. There's wrapping taking place. Il y a l'emballage, le re-emballage qui prend place. Listen here. Suivez ici. In the message that day at Calvary, on Calvary. Dans le message ce jour-là au calvaire. Brabham says this. Brabham dit, notice the greater work was to have the power in the church. Not only to heal the sick by prayer. C'était pas seulement guérir le malade par la prière. Cast out devils by prayer. Ou seulement chasser le démon. But to impart eternal life to believers. Mais c'était aussi de distribuer la vie éternelle aux croyants. The Holy Ghost. Le Saint-Esprit. Was coming. Venait and given in the hands of the church et était donné entre les mains de l'église to impart life pour distribuer la vie. Oh, that's what Calvary meant. Oh, c'est que cela veut dire le calvaire. It took stooped degraded men and women, lifted them into a place to be sons and daughters of God, to heal the sick and to impart eternal life. Ça a pris de gens et de femmes pour les amener à être des fils et des filles de Dieu. Pour guérir les malades et distribuer la vie éternelle. By giving the Holy Ghost to obedient believers. En donnant le Saint-Esprit aux croyants obéissants. Men were once unbelievers. Les hommes et les femmes qui étaient incroyants. Be made believers. Sont devenus croyants. And impart spiritual life. Et ont distribué. Spiritual eternal life. La vie spirituelle. You believe that, sister? Vous y croyez, sœur? You believe that, brother? Vous y croyez, frère? That you were that once unbeliever, que vous qui n'étiez pas croyant, God made you a believer, Dieu a fait de vous croyant, to impart, pour distribuer, spiritual eternal life, la vie éternelle spirituelle. So you must become a wrapping, donc vous devez devenir un emballage, of the gift of eternal life, du don de la vie éternelle. In the message again that day on Calvary, what Romans says, dans le message ce jour-là au calvaire, 130. How much greater is it to say to this sick woman laying here, I can pray a prayer of faith? Comment grand est de dire à cette femme infirme ici que je veux prier pour vous? She'll be healed. Elle sera guérie. That's a great thing. C'est quelque chose de bien. That's what he was doing then. C'est ce qu'il faisait là-bas. But said, greater than this shall you do. Mais il dit, grand est ce que tu peux faire. I'm going to give you power. Je veux te donner la puissance. Not only to raise him up for a while, pas seulement de l'élever pour un petit moment, but to give him eternal life, mais de lui donner la vie éternelle, which will be eternal forever. C'est qui sera éternel pour toujours. Hallelujah. Amen. No matter what Abraham could say, they give eternal life. Peu importe combien Frère Abraham pouvait dire, donne la vie éternelle. We have received eternal life through Brother Branham. Nous avons reçu la vie éternelle par Frère Abraham. It was veiled in him. C'était voilé en lui. We were all in denominations, in our own understanding. Nous étions tous dans la domination, dans nos propres compréhensions. But we have received life by accepting this gift. Mais nous avons reçu la vie en acceptant the wrapping, ce don, l'emballage.
And it has eternal life. Et ça a la vie éternelle. God again. Dieu encore. Veiled in human flesh. Voilé dans la chair humaine. To impart eternal life. Pour distribuer la vie éternelle. To this generation. À cette génération. And you. Et vous. Must rewrap the same gift. Vous devez revêtir du même don. To reveal Christ. Pour révéler Christ. Now listen. Alors, it says, suivez. Il dit. I'm going to give you power. Je vais vous donner la puissance. Not only to raise him up for a while, pas seulement de l'élever, but to give him eternal life, mais pour lui donner la vie éternelle, which will be eternal forever. C'est qui sera éternel pour toujours. Poor, pauvre, blind, aveugle, wretched people, misérables. How do you miss that? Comment est-ce que vous l'avez manqué? Don't you see what the greater thing is? Vous ne voyez pas la plus grande chose? That's the greatest thing that could ever happen. Ça, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Was to impart eternal life to people. Distribuer la vie éternelle aux gens. Now, what is eternal life? Maintenant, c'est quoi la vie éternelle? The life that he lived. La vie qu'il a vécue. The life that was in him. La vie qui était en lui. Impart that to others. Distribuer ça aux autres. Can a man do that? Un homme peut-il faire cela? A son of God can do. Un fils de Dieu peut le faire. Can a man do that? Frère Branham demande, un homme peut le un faire? Un fils de Dieu peut le faire. Un fils de Dieu peut le faire. Jesus said, Jésus dit, whosoever sins you remit to them, they are remitted. Ceux à qui vous allez pardonner les péchés, ils seront pardonnés. Whosoever sins you retain, then shall be retained. Alléluia. Amen. Glory to God. Amen. How many believes? Combien croient? How many believe that Branham thinks the truth? Combien croient que c'est que je dis à la vérité? God, Dieu, wrapped again in this last age. On m'a jeté une fois de plus dans cet âge. Listen to what Brother Branham said when he was in Green's Mill. Écoutez ce que Frère Branham dit lorsqu'il était dans. In the message of the trial. Dans le message des épreuves. Le, non, the trial, le procès. Le procès. Preached in 1964. Prêché en 64. April. Avril 64. Paragraph 62. Paragraphe 62. Listen, this, I'm going to finish with this. Suivez, je vais clôturer avec ça. At Green's Mill one night. À Green's Mill une fois. Not knowing what this wall was about. Ne sachant pas ce que cela voulait dire. Later, I became a minister to serve the Lord. Un jour, je suis devenu ministre pour servir Dieu. At Green's Mill. À Green's Mill. One night. Une soirée. My pastors. Mon pasteur. Mes pasteurs. Mes pasteurs. Had just told me. M'ont dit. I'll tell them about going. Je veux leur parler de partir. Having a, being able to see things. Être capable de voir les choses. And they told me, et ils m'ont dit, it was the devil. C'était le diable. And me being a Christian, et moi étant chrétien, I did not want nothing to do with the devil. Je n'avais rien à voir avec le diable. Not at all. Pas du so tout. I went up there and said, alors je suis parti là-bas et je dis, Dieu, I can't let go through life like this. Je ne peux pas mener ma vie comme ceci. I sat up there in a little place way back at a fishing camp. Je suis parti là-bas dans le camp de pêche, praying, priant. And one night there, et une nuit là, as Lord has spoke to me, le Seigneur m'a parlé. And at a tree like he did to Moses, à un arbre tel qu'il a fait avec Moïse. Then here on this Green's Mill, et ici à ces Green's Mill, there come a man, sortira un homme. And told me, Eve sortit un homme qui m'a dit, un homme, ouais. And told me, qui m'a dit, not to try to ask, get rid of this. Ne pas demander de se débarrasser de ceci. But it was a gift. Mais que c'était un don. Sent from God. Envoyé de Dieu. That was to be taken to the people of the world. C'est qui devait être pris de gens du monde. Non, devait être amené vers. C'est qui devait être amené aux gens de ce monde. And to let me know by the scriptures. Et me laisser savoir par les Écritures. That all these things has been promised according to the Bible. Et me faire must be fulfilled. Et me faire connaître que par les Écritures, toutes ces choses qui ont été prédites par la Bible devaient s'accomplir. That the time was at hand. Que le moment était arrivé. And I went back and told my pastor. Et je suis reparti et dit à mon pasteur. I went down and told him. Je lui ai dit. And he said, Billy. Il a dit, Billy. What have you ate? Qu'est-ce que tu as mangé? Did you have a dream? Tu as eu un rêve? Was that a nightmare? C'était un cauchemar. But to me, mais à moi, it was Malachi 4. C'était Malachi 4. He said, how are you going to do this? Il a dit, comment est-ce que tu vas le faire? It was Luke 17:30.
C'était Luc 17, 30. It was Revelation 10. C'était Apocalypse 10. It was all these scriptures that have been promised for the last days. C'était toutes ces écritures qui ont été prédites pour les derniers jours. Je l'ai dit. Je n'avais pas vu cela à ce moment-là. People wonder when this is going to happen. Les gens se demandaient quand est-ce que cela va prendre place. But I just held on. Mais j'ai dit attendez. Amen. Amen. And you've seen the message God's wrapped gift in paragraph 118. Et tu vois dans la prédication le don de Dieu dans le paragraphe 118. He said so is it today. Il a dit il en est ainsi aujourd'hui. Instead of seeing the power of the Holy Ghost doing his signs of the Messiah. Au lieu de voir la puissance du Saint-Esprit produire le signe du Messie, and the wonders among the people as he promised he will do in the last days, et de merveilles parmi les gens tels qu'il avait promis qu'il va le faire dans les derniers jours, as he said, comme il a dit, as it was in the days of Lot, comme il en était au jour de Lot, so will it be in the coming of the Son of Man. Et il en serait de même à la venue du Fils de l'homme. When he begins to do those signs and wonders amongst the people, lorsqu'il a commencé à faire ce signe de prodige parmi les gens, showing himself alive, se montra lui-même vivant. What is amongst poor and humble, the poor people? Parmi le peuple pauvre, they are going to call it fanatism. On va appeler cela du fanatisme. Cast it out. Chassez ça. Better investigate before it gets too far on you. Alors, remédiez cela avant que ça puisse prendre place en vous. Hallelujah. Amen. God, Dieu, was wrapped again. Était emmailloté encore. Brother Branham came on the scene. Frère Branham est venu sur la scène. Il a dit, je vais vous prouver que ça, c'est Dieu. Il a tourné son dos et il va discerner les pensées de gens derrière lui. Comme Elohim l'a fait dans Genèse 18. C'était encore Dieu révélé dans la chair humaine. Selon Luc 17:30. C'était une visitation. But God did it. Mais Dieu l'a fait. It was through a gift. C'était par un don. That he gave to the world. Qu'il a donné au monde. To reveal himself again. Pour se révéler encore. To show to the people. Pour montrer aux gens. Who God is. Qui était Dieu. And Brother Branham said. Et Frère Branham dit. What you have seen in my ministry. Ce que vous avez vu dans mon ministère. You shall see it in the bride. Vous devrez le voir dans l'épouse. The bride. L'épouse. He was, il était, the wave chief, la gerbe agitée, showing that in the harvest, montrant que dans la moisson, there's more yet to come. Il y a plusieurs qui doivent encore venir. Today, aujourd'hui, God has taken away the wrapping. Dieu a ôté le voile. The wrapping, yeah, l'emballage. L'emballage. Brother Branham is no longer with us. Frère Branham n'est plus avec nous. God has taken the wrapping. Dieu a ôté l'emballage. But the gift, mais le don, is here. Est ici. Among you and I. Parmi vous et moi. Among those who receive it now. Parmi ceux qui l'ont it's reçu. Now your turn. C'est maintenant votre tour. To impart the same eternal life. De distribuer la même vie my éternelle. Question to you is, ma question aujourd'hui. On this Christmas. Et quand ce Noël. Ask yourself the question. Posez-vous même la question. Are you imparting eternal life? Êtes-vous en train de transmettre la vie éternelle? Brother. Frère. Sister. Sœur. Are you imparting eternal life? Êtes-vous en train de transmettre la vie éternelle? Ask yourself the question. Posez-vous la question. How many people have you brought to Christ? Combien de gens vous avez amené à Christ? Since you came to God. Alors que tu es venu à Christ. How many people? Combien de gens? If you have eternal life, si tu as la vie éternelle, you must impart that eternal life. Tu dois distribuer cette vie éternelle. You must impart that eternal life. Tu dois distribuer cette you vie must éternelle. Become a mercy seat. Tu dois devenir un propitiatoire. I was telling, a brother told me, oh, brother Boris. You know, people always find excuses. Eh? Tu sais, les gens, ils ont toujours des excuses. He said, Brother Boris, il a dit, Frère Branham, these are for preachers. Ça, c'est pour des prédicateurs. Where did Brother Branham say it's for preachers? Où est-ce que Frère Branham? If you have failed, come to the altar. Si vous avez échoué à le faire, venez à l'autel. People know quotes of the prophet. Les gens connaissent des citations du they prophète. They know quotes of the Bible. Ils connaissent les citations de la Bible. But they are not imparting eternal life. Mais ils ne sont pas en train de distribuer la vie éternelle. Even their own children. Même leurs propres enfants. They are unable to impart eternal life. Ils sont incapables de leur children, transmettre la vie éternelle. And they pretend have received eternal life. À leurs propres enfants et ils prétendent avoir my reçu friend, le Saint-Esprit. If you have received eternal life, mon ami, si tu as reçu la vie éternelle, God gave it to you, Dieu te l'a donné to become a mercy seat, pour que tu deviennes un propulsatoire to impart that life, pour transmettre cette vie to other people. Aux autres. Glory to God. Amen. Frère Branham said, Frère Branham dit, if you are not producing Christians, si vous ne
produisez pas de chrétiens, if you are not bringing people to Christ, si vous n'amenez pas les gens à Christ, you are barren. Vous êtes stérile. Your place is at the altar. Votre place est à l'autel. Ask yourself the question. Posez-vous la question, est-ce que je transmets la vie what éternelle? I have received, c'est que j'ai reçu. How many people have I brought to Christ? Combien de gens j'ai amené à Christ? Before it's late. Alors, avant qu'il ne soit tard. 2021 is at a corner. 2021 est au coin. It's there. C'est juste it's là. Lord, this time, dis Seigneur, I want to make sure. Je veux m'assurer that I'm taking care of God's business, que je prends soin de l'œuvre de Dieu, that I can impart eternal life to others, que je peux transmettre la vie éternelle aux there autres. Are people out there, il y a des gens là à l'extérieur in distress, qui sont stressés. Many there are dying, plusieurs meurent. They are looking for people, ils cherchent des gens who can turn out as mercy seat, qui peuvent se transformer en propitiatoire afin de transmettre la vie éternelle. Alléluia. Amen. The greatest gift ever given. Le plus grand don qui n'ait jamais été donné. Christmas. Noël. The first gift. Le premier don. It was eternal life. C'était la vie éternelle. Wrapped in a human flesh. Emmailloté dans la vie humaine. Given to people as a gift. Offert aux gens comme un don. It came through a wrapping. C'est venu par l'emballage. And people reject the wrapping. Les gens ont rejeté l'emballage. And they reject eternal life. Et ils ont rejeté la vie éternelle. In this hour. En cet âge, according to Malachi 4, selon Malachi 4 and Luke 17, 30, Luc 17, 30, the same gift, le même don that was given on the eastern people, qui a été donné aux gens de l'Est, repeated on the western people, est revenu chez les gens de l'Ouest, the same sun, le même soleil, on the rising, the same sun on the setting, le même soleil se levant et Jesus se même Christ, the same yesterday, soleil. Today and forever. Dans l'Orient et dans l'Occident, Dieu le même hier, éternellement révélé dans la chair humaine. Purpose, pour quel but? To impart life. Transmettre la vie. So the life that was imparted, donc la vie qui était transmise must be wrapped in the believer today, doit être emballée dans le chrétien and aujourd'hui. The believer et le croyant must become the one who imparts eternal life to others. Doit devenir celui qui transmet la vie éternelle aux autres. Hallelujah. Amen. Let us stand. Alors, on va se tenir debout. As I'm going just to read what Brother Branham says here. Alors que je suis en train de lire ce que Frère Branham dit ici. Let us stand. On va se tenir debout. I'll read what Brother Branham says. Je vais lire ce que Frère Branham dit. Closing. May I say this? Je vais dire ceci. Today. Aujourd'hui. Christmas. Noël. Means a carton of camels. Veut dire un colis de chocolat. De chocolat. Oh, a carton of Viceroy, a bottle of Four Roses, or ou une bouteille Seagram de... wrapped in a pretty Santa Claus paper. Ou un cadeau comme ça qui est emballé dans une couverture de Père Noël. They still refuse God's Christmas gift. Alors qu'ils refusent le don du Noël de Dieu. They still refuse His Christmas gift. Ils continuent à refuser son don de Noël. They don't want it. Ils n'en veulent pas. I want it. J'en veux. I'm glad I received it. Je suis heureux que je l'ai reçu. Oh Emmanuel. Oh Emmanuel. God made flesh. Dieu fait chair. And dwelled among us. Habitant parmi nous. Rejected. Rejeté. Condemned all down through the ages. Condamné pendant les âges. And His mercy extends today to every heart that will receive Him. Et sa miséricorde donner à tout le monde qui va l'accepter aujourd'hui. Let us bow our heads. Nous allons incliner nos têtes. Just a moment. Pour un moment. I wonder tonight in this building. Je me demande aujourd'hui dans ce bâtiment. On this Christmas time. Dans ces temps de Noël. In commemoration of nearly 2000 years when God gave his first Christmas gift. Dans la commémoration de 2000 ans où Christ a donné son premier cadeau de Noël. I wonder tonight. Je me demande if cette you'd nuit like to look on the inside of that package, si vous voulez regarder dans l'intérieur de ce paquet and see et voir sinner, des pécheurs that there is somebody in there who loves you, qu'il y a quelqu'un là-bas qui vous aime, somebody who died for you, quelqu'un qui est mort pour vous, somebody gave their life for you, quelqu'un a donné sa vie pour vous. Would you be willing tonight to take the swaddling clothes off of him? Veux-tu cet après-midi prendre les habits, enlever les habits déchirés qui sont sur lui.
That dirty clothes that they call him fanatic or holy roller. Ces habits sales, l'appellation les fanatiques ou les saints qui roulent par terre. Wrap yourself in it. Et que tu te revêtisses de ceci. And take the way of the Lord, despise few. Et que tu prends la voie de mépriser de Dieu. If you are in the building tonight, si tu es dans le bâtiment aujourd'hui, like to be remembered in prayer. Laisse qu'on se rappelle de toi dans la prière. You just raise your hand and say, "Oh, this Christmas night." Élevez votre main et dites cette nuit de Noël. Repeat, "Oh, this Christmas night." Dites, "Oh, aujourd'hui cette soirée de Noël." I want to receive the Christmas gift of God. Je veux recevoir le don de Noël de Dieu. God's true Christmas gift. Le vrai don de Dieu de Noël. God bless you, lady. Que le Seigneur vous bénisse, you, madame. God bless you, sister. Que Dieu vous bénisse, monsieur, sœur. Que Dieu vous bénisse. God bless you there. Que Dieu vous bénisse là-bas. Would there be some more would like to be remembered in prayer, Lord? Y a-t-il plusieurs qui veulent God être bless you, brother. Qu'on se rappelle de vous If dans you la prière? Here, lift up your hand. Si vous êtes ici, élevez votre main. As we pray. Alors que nous prions. Somebody wants that gift. Quelqu'un veut ce don. The Christmas God Christmas gift. Le don de Noël de Dieu. Let us pray. On va prier. As we close our eyes. Alors que nous fermons nos yeux. Repeating his prayer. Répétons sa parole, sa prière. Just be humble now. Sois simplement humble maintenant. As you close your eyes. Alors que tu as tes yeux fermés. Think of that gift. Pensez à ce don. The gift of eternal life. Le don de la vie éternelle. Today people pass on gifts. Aujourd'hui les gens donnent des cadeaux. But the greatest gift that was given on Christmas, the first Christmas ever. Mais le plus grand don de Noël qui a été donné le tout premier Noël. Was eternal life. C'était la vie éternelle. Wrapped in a human flesh. Emmailloté dans la vie humaine. Can you be a Christmas gift to somebody? Pouvez-vous être un cadeau de Noël pour quelqu'un? Eternal life. La vie éternelle. Wrapped in you. Emmailloté en vous. Bringing life to somebody. Apportant la vie à quelqu'un. Precious Lord, précieux Père, we bring to thee tonight. Nous amenons ceci à toi aujourd'hui. Seems like it was quite a few women tonight, Lord, that raised their hands. Tout comme cette soirée-là, il y avait des femmes qui ont élevé leurs mains. Maybe two looked down. Peut-être qu'il y avait deux qui ont tourné la tête vers le bas. Some of them are young girls. Certains d'entre eux, ce sont des jeunes filles. Just a teenage. Peut-être des adolescents. That raised their hands. Qui ont élevé leurs mains. They mean that, Lord. Ils ont vraiment l'intention d'exprimer ceci. Ils ne veulent pas être condamnés avec le monde. They want to receive you now at this Christmas time. Ils veulent te recevoir maintenant en ce moment de Noël. To look into God's package. Regarder dans le paquet de Dieu. And receive eternal life. Et recevoir la vie éternelle. Grant it, Lord. Donne-le leur Seigneur. Just now. Maintenant, that you'll open to them the forgiveness of their sins. Que tu ouvres pour eux le pardon à leurs péchés. That you'll open to them a fountain in the house of David. Que tu ouvres pour eux une fontaine dans la maison de David. That's open for sin. Qui est ouvert aux pécheurs. And are cleanless. Et qui le nettoie. Where sin has plunged beneath the flood. Là où le pécheur rempli de sang sont plongés. Lose all their guilt and stain. Et perd tout leur péché. Grant it, Lord. Donne-le Go leur. Home with them. Rentrez à la maison avec ceci. Abide with them tonight, Lord. Demeure avec eux, Seigneur. Make life for them. Crée la vie pour eux. What it should be, Lord. C'est que cela doit être, Seigneur. Grant it. Donne-le leur. Heal the sick. Bénis, guéris le malade. And the afflicted among us. Et les affligés parmi nous. You are the help of the helpless. Tu es l'aide de ceux qui sont sans aide. You are He, Lord, who can do where others cannot do. Tu es celui qui peut faire là où personne ne peut. And we humbly believe you, Lord. Et nous te croyons tout cœur. We follow the day star. Nous avons suivi l'étoile. We follow the light. Nous suivons la lumière. Until it leads us to that perfect light. Jusqu'à ce que ça nous conduit à cette lumière parfaite. The gift of God. Le don de Dieu. Eternal life. La vie éternelle. By the baptism of the Holy Spirit. Par le don du Saint-Esprit. Grant it, Lord. Offre-nous ceci, Seigneur. I commit them to thee now. Je les abandonne entre tes mains. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Take their souls tonight. Prends leurs âmes. Wash it in the crimson blood of Calvary. Nettoie cela dans le sang du calvaire. For we ask it in the name of Jesus Christ. Ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. God bless you all. Que le Seigneur vous bénisse. May you receive. Que vous puissiez recevoir the gift. Le don. We are here. Nous sommes ici in Winnipeg, à Winnipeg, in Manitoba, à Manitoba, to impart eternal life. Pour transmettre la vie éternelle. We thank the Lord for the baptism we had last Sunday. Nous remercions Dieu pour le baptême que nous avons eu le dimanche passé. We need more to come. Nous voulons que plus puissent venir. Give their life to Christ. Donner leur vie à Christ. To accept this gift of à God. Accepter ce don de Dieu. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. As the brother give us a song. Alors que le frère nous donne une chanson. Before we get to go here. Avant que nous puissions partir. Continuez à prier pour vos enfants, votre famille, votre époux, votre épouse. You want to pray for somebody, feel free. Vous voulez prier pour quelqu'un, sentez-vous libre. Say, Lord God, help us all. Dites, Seigneur Dieu, aide-nous. Receive your gift. À recevoir ton don. The gift of eternal life. Le don de la vie éternelle. That was ever given on the first Christmas. Qui a été donné dans le tout premier Noël. And you are still giving it today, Lord. Et tu continues à donner aujourd'hui. Grant it, Father. Donne-nous cela, Père. God bless you. Que Dieu te bénisse. We shall see you on Sunday. On va vous voir le dimanche prochain. Amen.